very highly educated. I know words. I have the best words. Most importantly, I brought my Bible. Oui, c'est bon. Bon, alors, bonjour. Ouais, bon, d'accord. Tu as trouvé mon téléphone? J'entendais, oui. C'est formidable. Alors, on va tout recommencer. Alors, on va renvoyer encore une fois le générique. Parce que, alors, je sais pas si il va plus y avoir grand monde qui va nous écouter, ça, je pense. Vas-y, renvoyez le générique. I know words. I have the best words. Most importantly, I brought my Bible. Et voilà. Voilà, Sébastien, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, envoie-moi un SMS parce que ça marche. Bonsoir. Alors, on a à peu près une demi-heure de retard, hein, à peu près, ouais, 33 minutes même. On avait un problème technique. Ça marchait pendant les tests, ça marchait plus après les tests. Ça remarche un petit peu. Vous voyez, changer des câbles, essayer des trucs. Mais on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, à moins que le technicien ait fait une merde. Et qu'il n'arrive pas à dire « Non, mais j'avais pesé sur un faux bouton. » Non, c'est pas ça. À la technique ce soir avec nous, Arnaud. Et puis alors Arnaud, on va directement, si tu veux bien, si on arrive, passer avec notre premier correspondant à distance avant qu'on reprenne la lecture un peu chaotique, mais cette fois ça va bien aller, du tapuscrit autobiographique d'Alex Manuel. Est-ce que notre ami Sebastiano est visible ou pas ? Deux minutes. Pourquoi 2 minutes ? Il est allé se changer, prendre une douche ou bien ? Ça doit être ça. Donc, un petit update. Donc, on est très en retard. On a perdu Gabi Giraud qui a dit « Bon, ça marche pas, je vais me coucher », qui était là. Donc, je sais que vous avez eu que le générique et puis après plus rien du tout. Mais maintenant, il semblerait que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va continuer la lecture du tapuscrit d'Alex Manuel, l'oncle de Luc Chesset, ce vaudois qui, dans les années 20, fin des années 10, même début des années 20, est parti pour Hollywood afin d'offrir ses services en tant que comédien, cascadeur, parce qu'il avait, on va dire, une appétence et un certain talent pour la cascade. On le voit sur notre newsletter, sur la newsletter qu'on vous a envoyée, que vous avez dû recevoir si vous écoutez cette émission, marcher sur le pont Bessières au mi-temps des années 10, donc sur le parapet du pont Bessières à Lausanne. Et puis Alexandre Manuel donc est parti à Hollywood. On continuera son petit périple. On était à la page 74 sur 414 la semaine dernière, donc on va continuer. Mais, je vois qu'on peut faire rentrer notre correspondant spécial. Arnaud, est-ce que tu peux faire rentrer le correspondant spécial? Bonsoir, monsieur Conforti. Bonsoir de Cannes. Je t'entends très loin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit ici à Cannes aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais à Cannes, Sebastiano? Explique-moi. C'est-à-dire, t'es pas responsable du marketing outside the box, normalement. Je crois que tu dois pas envoyer des DCP à Marc Ouvet plutôt que d'être à Cannes. Ouais, écoute. Bien. Oh là là, il faut que tu ailles dans l'appartement, t'es tout à fait frisé là. On t'entend plus. Il faut que tu ailles plus près du Wi-Fi, je crois. Ah bah voilà. Ouais, je crois que c'est la soirée des emmerdes techniques, je crois. C'est comme ça. Des fois, il faut accepter. C'est comme ça. Il y a le mauvais sort. Voilà. Essaye voir de parler parce que tu avais été coupé avant. Voilà. Là, je suis plus près maintenant. Ah ouais, ça va mieux. Du Wi-Fi, je peux pas. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Je ferme la fenêtre. Oh, le bruit, on n'entendait pas. Mais on a la preuve à peu près que tu es à Cannes. On a vaguement vu une rue, la rue d'Auch, si je ne fais erreur, où il y a beaucoup de restaurants avec de la mauvaise musique et de la mauvaise nourriture. Ben, c'est Cannes, quoi. Donc, exactement. Comment ça se passe, Cannes? Écoute, ça se passe assez bien. Ça commence à devenir un peu plus tranquille. Les vendeurs, vendeuses rentrent gentiment à la maison avec leur gueule de bois.
C'est un peu place aux touristes et aux cinéphiles. Et bah, je pense dans quelques instants, il y a un film très attendu, celui de Baz Luhrmann sur Elvis Presley. Et ouais. Du coup, dans les rues de Cannes, vous pouvez voir beaucoup, beaucoup de sosies de Elvis ce soir qui se baladent et ça, qui on est chantent. Là. C'est quoi, c'est en compétition? Pour imiter le King. Ouais, me semble bien. Hein? Je sais plus. Je sais pas, je c'est sais possible. Pas. C'est possible. Alors, t'es à Cannes depuis combien de jours? C'est mon troisième jour, cher Thierry. Et qu'est-ce que tu as fait? Mercredi. Qu'est-ce que tu as fait alors? Quelle est l'activité? Bon. Quelle est l'actualité d'un distributeur suisse à Cannes? Ça se passe comment une journée type? En journée type, réveil à 9h, 9h30. Et après, on commence à faire beaucoup de rendez-vous avec les vendeurs. Mm-hmm. Donc, du coup, on se rend dans leurs appartements ou dans le grand marché de Cannes, où il y a plusieurs des centaines et centaines. Et puis, on prend un petit café, un petit croissant avec eux, avec elles, et on discute de leur Lines Up, c'est-à-dire les nouveaux films qui aimeraient bien vendre à tout le monde, mais qui n'y arrivent pas trop. En tout cas, pas tout le monde, quoi. C'est-à-dire... Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde? Parce que ce week-end, m'a-t-on dit, il n'y avait pas énormément de monde, quoi. C'était assez plat, le marché, quoi. C'est un peu comme les dernières années du comptoir suisse, quoi. Il reste des vaches, mais personne pour les regarder, en gros. Non, ça va. Puis maintenant, ça va. C'est la deuxième partie du festival, donc il y a un peu moins d'activité, d'achat compulsif des films. Moi, je trouvais un peu moins de gens sur la croisette aussi, surtout le soir avant 2h. Après, il y a quand même du monde. Mais c'est vrai qu'on arrive à marcher assez facilement sans rentrer pas trop dans les gens. Donc, on verra les chiffres finaux du festival. Mais je pense pas qu'on est revenu au même chiffre avant Covid. Bah, le chiffre du festival, toi, c'est très relatif. Ils ont annoncé, enfin, j'ai entendu qu'il y avait plus de gens qui s'étaient accrédités, mais je pense qu'ils comptent aussi les gens qui ne se déplacent pas, parce que tu peux t'accréditer au marché, puis quand même tout faire par Zoom et à distance et par lien. Mais en tout cas, ce week-end, il y avait moins de monde qu'avant le Covid, dans les allées, au marché, etc. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, en parlant un peu avec les vendeurs, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, mais ça n'a pas l'air terrible, quoi. C'est un peu ça, la situation, elle est la suivante. Ouais. Et puis bon, il n'y a pas non plus d'énormes films. C'est-à-dire, c'est pas non plus qu'on parle de films incroyables qui ont tout à fait bouleversé les gens. Je sais pas, toi, tu as vu des choses bien? Qu'est-ce que tu as vu comme film? Moi, j'ai vu des choses très bien le premier jour. J'étais très étonné par Les Pires. Les Pires, c'est quoi? Roman Guret. C'est un film franco-belge, en fait, où un réalisateur va faire un film dans la banlieue. Et puis, c'est un peu une remise en question de cette appropriation des stéréotypes de la banlieue par des intellectuels qui font du cinéma. C'était un film très simple, très intelligent, avec des acteurs qui jouent pratiquement leur rôle, qui sont vraiment sublimes. Donc, je m'attendais à pas grand-chose. Film, si je ne me trompe pas, d'un certain regard. Et c'est le premier film que j'ai vu et c'est ma première belle claque. Ouais. Mais bon, qui c'est qui va aller voir au cinéma un film qui parle sur le cinéma, de la banlieue? Ça me semble un peu compliqué quand même. À voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas un film qui est très porteur en termes de public sur une exploitation normale. J'ai vu aussi les réactions de la presse. Qui titre l'Hollywood Reporter Les Pires, c'est peut-être les meilleurs. Donc, c'est quand même un film qui a fait un peu surprise. Ouais, d'accord. Ok, donc ça, c'est un film franco-belge. C'est un film franco-belge, ouais. Après, j'ai vu deux films dont je m'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé les premiers longs métrages de ces deux réalisateurs. Le premier, David Chou, réalisateur cambodgien qui est basé à Paris et qui produit aussi beaucoup de courts métrages. Que j'ai eu le plaisir aussi de sélectionner des festivals en Suisse. Et David Chou, après Diamond Island, il revient avec Retour à Séoul, l'histoire d'une jeune femme. Toi, t'avais bien aimé Diamond Island? Ses origines. Oui, mais c'est vrai, c'est un film de festival, c'est un film assez imparfait, mais où il y avait beaucoup d'émotions. Retour à Séoul, j'étais aussi assez positif au final, mais c'est un film qui est très long, qui suit trois périodes différentes de vie de cette jeune fille qui revient en Corée. Elle a été adoptée à l'âge de quelques mois, donc elle a vécu, elle est complètement française, et puis elle se retrouve un peu par hasard à Séoul. Et en discutant avec des gens sur place,
en buvant du bière, ils leur disent en fait qu'il y a un centre où on peut retrouver ses parents si on a été adopté depuis la Corée. Et ce qu'il fait, et puis ça lui prend une dizaine d'années pour justement aller à la rencontre de son père et de sa mère. Mais le film, il ne dure pas 10 ans quand même. Mais il dure quand même 2 heures. Oh là là, pour un pitch déjà vu 1000 fois, quoi. Recherche des racines, acculturation, incompréhension mutuelle et happy end. Ouais, disons que c'est pas, ça tape pas dans l'originalité, mais quand même, il a, je dirais, le mérite de vraiment bien représenter les changements, l'évolution du personnage de la jeune fille. Ok, mais. Ça passe vraiment de la jeune fille qui vend des armes à la jeune fille qui fait la fête underground. Genre vraiment dans tout à l'autre. On s'enfonce dans les prétextes parce que l'histoire n'a pas assez de choses, donc on invente des trucs improbables, genre des trafiquants d'armes et des fêtes underground. Non. Bon. Ça va, non, pas trop. Ça okay. Marche bien. Autre chose encore? Tu m'as dit 2 films? Autre chose, celui de Léa Misius, Les 5 Diables, celui-ci après Ava, avec Adèle, Exarchopoulos. Ta chère copine Adèle qui a refusé de faire la promotion pour rien à foutre en Suisse. Exactement. Qu'elle avait soi-disant une autre. Ah non, c'était quelqu'un d'autre. Parce que, faut le dire, quand on distribue des films en Suisse, c'est quand même extrêmement difficile, sauf si tu t'appelles Pâté ou bien si tu as beaucoup d'argent, d'intéresser éventuellement les acteurs à faire un peu de promotion en Suisse, parce qu'ils ont déjà fait les festivals, la France, si c'est aux États-Unis, les États-Unis, enfin les gros territoires. Et nous, les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, les Italiens, les Allemands, il faut qu'on fasse sans les acteurs, quoi. Et ils viennent pas chez nous. C'est ça. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est assez décevant. En même temps, c'est assez compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est les attitudes des agents qui ne répondent pas et qui te laissent attendre pendant des mois et des mois pour te dire juste des petites conneries de temps en temps. Mais voilà. Les agents ne sont pas là pour résoudre les problèmes. C'est Adèle qui juste suit. Les agents sont là pour inventer des problèmes. Non, ils doivent dire non, quoi. Hein ? C'est ça. C'est ça, mais ils sont là pour dire non aussi, le dire tout de suite, être compréhensible et efficace. Ouais. Ce qu'ils ne le sont pas, et ce qui est pour la Suisse, c'est quand même un grand désavantage. Nous, la petite Suisse, que devons attendre que les informations redescendent de Paris. Qui ruisselle, un peu comme la richesse macronienne. Celle de Paris, exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, on est. Voilà. Mais c'est vrai que le cinéma en France, enfin une partie du cinéma français, est particulièrement conservatrice, voire réactionnaire. C'est-à-dire, il y a quand même une arrogance par rapport à ce qui n'est pas français, donc qui n'est pas important, qu'on retrouve dans de moins en moins de secteurs de la société. Mais dans le cinéma, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs historiques et traditionnels, ils te font bien sentir que t'es suisse, quoi. Ils te font bien sentir que t'es pas important, puis ils te prennent bien pour un débile à la base, quoi. C'est ça, et puis ils ont raison, ils sont grands, on est petits, et ils en ont rien à foutre de nous, et puis il faut vivre avec. Mais ouais. Voilà. Donc le film, Les 5 Diables, qu'est-ce que ça valait? Les 5 Diables, ça, c'est intéressant, il y a Adèle qui joue, une espèce de ex soubrette Miss Rhône-Alpes qui s'est mariée avec un Sénégalais. Ils ont une petite gamine, et cette petite gamine a la capacité elle a un olfa très développé, donc elle peut vraiment distinguer les odeurs et retrouver par exemple sa mère qui se cache à ventre mètre de distance. Je fais une petite traduction en français. Un olfa très développé, ça veut dire le sens de l'odorat très développé. C'est sûr. Parce qu'un olfa, ça échappe peut-être au commun des mortels. Merci beaucoup. Et à un certain moment, il y a la sœur du mari de Adèle qui revient un peu dans leur vie. Et là, la gamine, avec justement son sens de l'odoration très aiguisé. C'est l'odorat, pas l'odoration, l'odorat. De l'odorat, je vais y arriver pour la fin. Non, en fait, ça lui permet d'avoir des flashbacks de l'histoire de sa mère, et on découvre, bam, que, en fait, sa mère, elle a failli se mettre avec la sœur de son mari quand elle était plus jeune. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est une espèce de revival, un remake de Le Milieu de l'Horizon. Il y a vraiment des plans qui sont tout à fait pareils. Donc le film de Delphine Le Hérisset. Le film de Delphine Le Hérisset, exactement. Donc, mais c'est assez intéressant, je suis sûr qu'on va le voir très probablement au NIF,
cet été. C'est un film qui mélange assez savamment un peu une espèce de cinéma-réalité avec un cinéma plus du fantastique. Mais trop d'escamotage dans le scénario qui ne marche pas trop. Et le personnage principal, le mari en fait d'Adèle, il n'est pas assez développé, il reste dans le stéréotype. C'est un peu la vie d'Adèle, mythe, le milieu de l'horizon. Oh ouais, il y a un peu moins de sexe quand même dans la vie d'Adèle, mais oui, il y a quand même le côté où en fait elle est amoureuse d'une autre fille. Mais il y a un peu de fantastique quoi, mais pas terrible quoi, pas terrible. Ça va, il y a un très bel standing ovation ouais, mais à la fin. Ça tu sais, tu sais comment c'est dans les festivals quoi. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche pour la salle. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche pour la salle. Pour le cinéma, et en fait, il risque que tu oublies que le cinéma, c'est de la magie, les gens, ils doivent y croire, et quand ils arrêtent d'y croire, c'est la fin, en fait. Tu parles pour moi, là ? C'est pour ça que Cannes est important et grossier en même temps. Moi, je trouve que Cannes, tu sens que ça vient à la fin, quoi. Je trouve que ça va pas du tout, en fait. Ah, le monde, c'est en train d'aller vers là. Non, mais Cannes, c'est un bout du monde. Les gens, voilà, ils... Non, moi, je suis allé 2 jours et... Ça m'a quand même hyper frappé, quoi. À quel point c'est resté une bulle hors du temps. J'entends, les filles continuent à être habillées comme des produits, les mecs comme des mâles alpha, le monde a absolument pas changé, toutes les femmes sont hyper sexualisées, traitées un peu comme du bétail, l'après-midi, le soir, n'importe quand. Et je parle pas seulement des actrices, hein. Je parle aussi des gens qui font le public, qui ont accès en tenue de soirée aux projections officielles, genre tout le dress code, toute la façon de se comporter. Quand tu vas à côté du tapis rouge, tu fermes les yeux, puis t'écoutes les commentaires des gens qui montent les marches, t'as l'impression un peu d'être, je sais pas, dans un supermarché d'arty avec un mec qui te vend des machines à coudre, en disant que tout est formidable, machin, personne n'écoute personne. Enfin, c'est vraiment un vieux truc. Et puis, bon, moi, ce qui m'a particulièrement choqué cette année, c'est, tu vois, on reçoit, là, je l'ai là, si t'as juste une minute, parce que je l'ai sorti, tu vois, le 14 février, quand tu t'accrédites à Cannes, hein, professionnellement, tu reçois un message. Le festival s'engage. Depuis 2021, l'inscription au festival de Cannes est soumise à une contribution environnementale de 20 € par participant, destinée à compenser les émissions carbone générées par le voyage des accrédités jusqu'à Cannes et leur hébergement. Les sommes récoltées sont intégralement reversées à des programmes de compensation carbone. Cette compensation s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale du festival de Cannes. Après, tu tapes sur « plus », tu dis « ah, qu'est-ce que c'est ?» Alors, pour l'environnement, tu as le même texte. Réduire, agir, ils ont plus de bouteilles en plastique et puis ils font moins de catalogues et puis ils veulent des voitures hybrides. Puis après, il y a quand même des engagements, plus d'infos. Puis là, tu as un petit texte, premier événement culturel mondial, le Festival de Cannes a pris un tournant significatif dès 2021 avec des actions environnementales fortes. Certaines n'auraient pu se faire sans l'accompagnement de ses partenaires officiels, s'équiper à partir de 2022 d'une flotte composée entièrement de véhicules 100% électriques ou hybrides, supprimer les bouteilles en plastique à usage unique, décerner des trophées réalisés en or éthique certifié Fair Mining, retrouver les engagements sociétaux et environnementaux des partenaires officiels. Suit une liste de partenaires. Air France, Rothschild, BMW, Campari, Chopard, Christie, Cointreau, CST, Desange, Dolby, France Télévisions, Eventi, Kering, L'Oréal, Mastercard, Mouton Cadet, Nestlé, Radio France, Région Île-de-France, Telmont, Rémi Martin. Point. On te dit rien de ce que font ces gens. On te renvoie juste sur leur publicité. Si ça, c'est pas du greenwashing, que tu payes toi. Et après, ils ouvrent le festival avec quoi? Avec Top Gun, qui vient en hélicoptère, et ils font venir la patrouille de France, c'est-à-dire 7 jets qui doivent brûler, je sais pas, à peu près 200 litres à la seconde de kérosène, juste pour saluer sur le tapis rouge un espèce de débile qui fait un remake qui intéresse personne, et personne dit rien. Je veux dire, dans le genre foutage de gueule, incohérence, démagogie, et être complètement à côté de la plaque, c'est quand même difficile de faire pire. Je veux dire, moi je trouve ça hyper choquant. Que ces gens se permettent de faire la morale au monde, de dire « Ah, l'Ukraine, c'est grave, ah, c'est terrible, mais vive le cinéma !» et faire un truc pareil, d'une façon concomitante, je dis « Mais on se fout vraiment de la gueule du monde. » C'est vraiment, mais moi j'hallucine, quoi. Et t'as quoi? Aujourd'hui, mercredi,
sort Top Gun sur les écrans. Donc, dans le temps, t'as Gobo qui fait une page où les trois quarts de la page, c'est Top Gun, où, en fait, il résume le film en disant que c'est pas très intéressant, mais c'est ce que c'est, puis c'est la vie. Il parle vaguement qu'il y a eu la patrouille de France en se marrant, en disant, il paraît que c'était une condition qu'a posée Tom Cruise. Il fait pas de commentaires, ni critique, ni pas critique, et il est à Cannes, le cinéma d'auteur, mais la pleine page du mercredi, c'est Top Gun. Pour dire que, ouais, le film, il est assez sympathique, et puis c'est super parce qu'il n'y a pas trop d'écran vert, et puis Tom Cruise est super parce qu'il a mis le film au cinéma et pas sur une plateforme. Je dis, mais attends, on est à quel chapitre, quoi? Est-ce qu'il a besoin d'aller jusqu'à Cannes pour raconter ça, Gobo? Est-ce qu'il a besoin d'être là-bas pour écrire une pleine page qui dit ça? C'est ce qui intéresse les gens, en fait. Donc, il peut rester à la maison et puis regarder des liens, puis dire Top Gun, c'est super. Non, c'est pas sûr, c'est même pas sûr que ça intéresse les gens. Il met quand même une petite mise en perspective en disant que les gens qui ont aimé Top Gun il y a 20 ans, c'est pas sûr qu'ils s'attendaient à une suite. Puis les gens qui ne l'ont pas vu, c'est pas sûr que la suite va les intéresser. Donc, il dit quand même, oulala. Et en effet, ça sera assez intéressant de voir le box-office. Parce que je suis pas sûr que le film intéresse grand monde et c'est pas par hasard qu'il le sorte au mois de juin. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais il fait beau. Et donc, c'est pas hyper favorable pour sortir un film. Alors, voilà, tant mieux pour les exploitants s'il marche un peu. On verra bien les chiffres. Ouais. Enfin, moi, je suis, par rapport à toute cette histoire, franchement, Seb, je trouve ça, mais... tu voudrais l'inventer pour montrer à quel point les gens sont inconséquents et se foutent de la gueule du monde en faisant des actions à 2,50 balles de greenwashing, tu ferais ça, quoi. Tu ferais exactement ça. Tu mets ça dans un film, les gens disent, non, il faut pas exagérer, les gens n'oseraient pas faire des trucs pareils. Ben si. Et quand même, moi, j'y crois pas. Et c'est comme, je sais pas, quand de temps en temps, sur le tapis rouge, un jour, t'as une fille qui est venue seins nus avec juste un slip, un drapeau ukrainien, et marqué au feutre sur sa poitrine, arrêtez de nous violer. Ça, les médias, on parle pas en France. Ben, c'est pas propre. On montre des grandes photos du président, etc. Mais tout ce qui dérange un peu, ça va pas, quoi. La sécu arrive, vire la bonne femme, et puis on peut continuer à lire des pages et des pages dans Le Monde, dans Libé ou sur les journaux pour dire « Ah, c'est super calme parce que c'est toujours interdit de faire des selfies sur le tapis. » Mais attends, moi je trouve que tous les signes d'un ancien monde qui vit en bulle, qui n'arrive pas à se réinventer, qui patine dans le yogourt, enfin, ils sont de plus en plus visibles, je trouve. Et c'est un peu... Et puis, il y a d'autres choses qui vont s'inventer. Mais tu vois, en parlant avec les vendeurs, moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus d'argent se font sur les festivals, avec ce que payent les festivals pour avoir des films, et après, sur les plateformes. Et donc, quelque part, beaucoup de vendeurs n'ont plus besoin de distributeurs. Oui, bien sûr. Tu vois, et c'est une tendance qui va devenir une tendance lourde. Tu vois, en discuter avec un vendeur de Playtime, par exemple, M. Beffa, qui fait très bien son travail, qui était sinois d'origine, Sébastien Beffa. Et on voulait, chez lui, il y a 2 ans, un film de Ritipan, le dernier film de Ritipan, qui était assez intéressant comme dispositif documentaire et tout. Tu vois, Ritipan, c'est quand même un réalisateur qui a un petit public. Après La Machine de Guerre, S21, après, tu vois, c'est un nom. Puis tu dis, tu fais Ritipan, tu peux faire quelques avant-premières, et puis voilà. Mais il nous a dit, bah, écoute, ouais, mais moi, je fais plus d'argent si je ne vous vends pas le film à vous, mais directement à 2 festivals ou 3 festivals en Suisse. Parce qu'en vendant à 3 festivals, je me fais 5000 francs, et puis en vendant à vous, je ne me fais pas 5000 francs. Et puis ça me fait plus de travail, puis ça me fait plus de soucis, donc je préfère que mon film soit moins vu, vu en festival, parce que ça me rapporte plus d'argent. Et je pense que ça a une tendance qui va se développer. Parce que je pense... Ou la vente directe à la télévision aussi. Oui, aussi, mais pour les télévisions qui restent. Hein. Mais c'est sûr, et aux plateformes, parce qu'il y a besoin de volume. Les vendeurs doivent simplement réorienter leur vente, et puis on va vers, en partie, des films de cinéma à destination des festivals, de beaucoup de festivals, puis des plateformes. Et peut-être il y a un nouveau métier à inventer. Top Gun, c'est pas non plus le film à destination du festival, quoi. Non, Top Gun, c'est le film à destination. On veut une star pour que les journaux mettent la photo et qu'on parle de Cannes, qu'on sache que Cannes a commencé. C'est une pure opération marketing, comme l'année passée à Venise, quand ils ont fait venir toute l'équipe de je sais plus qui. C'était quel gros film l'année passée à Venise où ils ont fait venir l'équipe complète avec que des stars.
qui a coûté, je sais pas, à peu près 1 million d'euros de frais pour faire venir ces gens qui viennent tous en jet privé. Puis ça a un coût parce qu'il faut. Non, c'était pas Dune. Non, je me rappelle. Peut-être c'était Dune. Peu importe. Ça, on comprend bien la logique. On veut des gros films. Je veux dire, quand ils avaient fait à Cannes l'ouverture avec cette adaptation de ce roman-là, il y avait un TGV entier tagué. Ce roman qui se passe au Vatican, un peu complotiste, tu sais, best-seller. Enfin, bref, peu importe. Qu'on fasse venir des stars parce qu'on veut des photos, puis on veut des photos dans les journaux de presse généraliste pour qu'on sache que Cannes existe. Je comprends. On n'est pas obligé de faire venir la patrouille de France en même temps, on peut être un peu cohérent. Mais après, moi je parle du marché d'une manière générale. Et je me disais en discutant avec un ou deux vendeurs que peut-être il y a un nouveau métier à inventer, comme va y avoir de plus en plus de festivals et que l'argent sera là, puis que les vendeurs ils peuvent pas tout connaître. Je pense qu'être une sorte de grossiste par aire linguistique, spécialiste des festivals germanophones, spécialiste des festivals francophones, peut-être ça servirait aux vendeurs. Ça existe déjà. Ouais, pas vraiment encore. Il y a plein de sales qui se forment là-dedans, hein, qui ont deux, trois personnes qui sont spécialisées que dans le contact, la vente et tout avec les festivals. Donc, voilà, pour l'instant. C'est eux qui reprennent ce type de métier, quoi. Oui, mais bien sûr, pour l'instant, les sales ont des spécialistes par marché. Mais je pense que l'inflation des festivals, parce que. Une des pentes possibles, c'est qu'il y en ait de plus en plus pour sauver les salles, pour faire des choses qui existent, pour faire de... Et puis, il va y avoir des festivals A, B, C, D, E, F, G, de plus en plus petits, de plus en plus locaux. Et je pense que ça va devenir probablement un peu trop complexe pour les sales de gérer tout ça. Ça va demander trop de connaissances ou ils vont devoir devenir trop gros. Et peut-être des intermédiaires sur ce marché très difficile à lire s'il devient plus dense, ça sera peut-être des gens qui vont faire une boîte, qui disent écoute, moi je te fais tous les festivals à partir des B germanophones, j'en connais des centaines, je les connais tous, et puis tu vois, peut-être c'est ça qui se fera, quoi. Mais à part ça, je trouve que c'est pas comme ça un très grand Cannes jusqu'ici. Il n'y a pas vraiment de films dont on parle beaucoup. La presse est très mitigée. Les Français défendent les films français qui parlent de sujets français. Puis le reste de la presse, c'est très difficile à lire en plus parce que la presse, ça devient de plus en plus un agent de promotion plutôt que des journalistes. Je trouve, tout est formidable, tout est bien. Un peu comme le site Cinéma Europa qui dit que tous les films européens sont bien. Mais est-ce que toi, tu as entendu parler d'un film qui ferait l'unanimité, dont les gens disent assez, comme il y avait il y a 3 ans, Les Misérables ou des choses comme ça? Non, je pense pas qu'il y ait un engouement autour dans le film en particulier. Après, voilà, j'étais pas les premiers jours quand ça se fait les achats et tout, mais je pense pas qu'il y ait des enchères, en tout cas pour le marché suisse. Mais non, mais la plupart des films, t'es déjà acheté de toute façon. Tu vois, comme c'est un festival particulièrement peu inventif, avec particulièrement des gens déjà connus, les films étaient déjà achetés. Je crois que Xenix avait déjà 3-4 films, Film Copie aussi, en compétition. Il reste quelques films à acheter à un certain regard ou à la semaine, mais assez peu, quoi. Et puis, c'est pas vraiment des films de marché, quoi. C'est compliqué. Mais, de temps en temps, il y a un film qui buzz ou un film dont tout le monde dit qu'il est super, mais j'en ai pas entendu cette année. J'ai plutôt entendu des choses. Le Cronenberg, tout le monde qui en parle bien. J'ai malheureusement pas pu le voir, mais. Non, moi j'ai lu pas mal de choses en disant bon, c'est un peu ennuyeux. Et dans la rue, les gens ils aiment. Parce que dans la presse, c'est assez mitigé en disant ça fait pas scandale, mais ça ennuie pas mal de monde et puis c'est un peu confus. Et voilà, j'ai pas, tu vois, après, moi, j'ai pas vu non plus, mais j'ai pas non plus, tu vois, c'est comme l'année passée avec Benedetta, où on nous avait dit, ah, vous allez voir ce que vous allez voir, puis c'était en fait une grosse daube. Donc, moi, j'attends de voir le film, parce que Benedetta, c'était vraiment une grosse daube, quoi. Je veux dire, genre, grosse daube, elle était bien là, quoi. Donc, quel est ton programme? Tu restes jusqu'à la fin? Ouais, je vais voir encore quelques films. Je vais voir demain matin lesquels je peux aller voir. Mais maintenant, avec le pass, on peut rentrer un peu partout en last minute. Ouais. De toute façon, au marché, il y a toujours de la place. Hein. Les projections de marché, comme il y a encore pas mal de gens qui regardent les films online, il y avait de la place dans toutes les salles, quoi. Ouais. Moi, je suis allé voir un film là, un matin de Before Film, on était 8, je pense. Tu vois, un matin à 9h dans les premières projections. En l'occurrence, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'est égal, tu peux pas le savoir avant d'avoir vu, quoi. Ok, ben bah, écoute, si tu entends parler d'un film, tu nous dis. Et puis ce soir, tu vas voir quoi ce soir? Ce soir, je vais voir, attends, je me rappelle plus, Joyful de Sadik. D'accord. Et tu vas voir ça aussi. À la Bocca.
Ah, le théâtre de la Licorne. Ouais, faut que je prenne le bus. Le bus ou le train, Faut que j'aille vite à pied, ou le quoi. taxi, quoi. Oh, c'est C'est quand même... ça. Non, à pied, t'en as pour 1 heure presque, hein, jusqu'à la Boca. Ouais, t'es à 40 minutes. Non, c'est... Puis il fait chaud encore, non? Il fait chaud à Cannes? Oh, chaud là, ouais. Et les serveurs sont C'est toujours bien. aussi antipathiques, ça reste la France. Oh, ça dépend lesquels. D'accord. Et puis les Ça fêtes. dépend lesquels, Il y a mais des ça fêtes va. un peu? Pff, je sais pas, moi je travaille, je fais pas la fête. Sébastien, tu sais que ça fait partie du travail à Cannes. Faut aller boire du Bien mauvais sûr. alcool. Non, mais voilà. Fête à la plage comme d'habitude, où tout le monde danse. Sur de la mauvaise Il n'y a rien musique qui se passe. avec du mauvais Ouais. alcool. C'est un peu ça, non? C'est ça. Ok. C'est un peu ça. Bon, écoute, profite quand même Live. bien de Cannes. T'as vu Yann Gwan? Parce que Yann Gwan nous a dit qu'elle Bah oui, venait à Cannes. il était ici toute la journée en train de travailler. Elle travaille, elle vient à Cannes pour travailler. Ouais, elle doit faire un essai, elle doit faire une analyse sur une séquence de la haine. Et Donc, cette femme est elle est folle. venue à Cannes pour bosser, ouais. Cette femme est folle, tout ce qu'elle fait en même temps. Je veux dire, elle est... Mais formidable. Ah, mais tout à fait. Tout à fait formidable. Mais... Encore vite venir C'est la 3 jours même à chose. Cannes, Folle, formidable. au milieu des examens. Yes, là, elle allait se faire une petite montée des marches. Habillée comme une femme, avec une jolie robe et des talons aigus qui font mal au dos. Bien habillé. C'est ça. Non, non, ça va pas du tout. Ok, je te remercie, Sébastiano. Et puis, bah, Ciao, merci à envoie-nous toi. quelques photos pour qu'on puisse les passer pendant que je lis de ta Pas montée des beaucoup. marches à toi, à la licorne. Ciao, Ciao, bon Cannes. ciao, ciao. Ben voilà, alors, ben Cannes, quoi. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur Cannes, mais j'ai été tellement choqué, quoi, avec cette histoire de Top Gun. D'ailleurs, ben je te propose, on peut un peu, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, là. Alors voilà, on peut, passons la bande-annonce de Top Gun, tant qu'à faire. Faisant un hommage à Thierry Frémaux au Festival de Cannes et à la Patrouille de France, nous allons passer la bande-annonce de Top Gun afin que nous comprenions la justification qui était la mobilisation de la Patrouille de France au-dessus du festival pour célébrer ce monument du cinéma art et essai qu'est Top Gun dans le plus grand festival d'auteurs du monde. Plus years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, Captain. Why is that? It's one of life's mysteries, sir. End is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today.
Qu'est-ce qui se passe, Rerno? On se concentre, on est focus, on va pas regarder deux fois la bande-annonce de Top Gun, qui était une ouverture de Cannes formidable avec la Patrouille de France, mais comme nous, on aime vraiment le cinéma d'auteur, on va vous donner la bande-annonce d'un autre film qui se passe dans l'aviation, c'est Rien à foutre d'Emmanuel Mar, que vous pouvez voir actuellement également dans les meilleures salles en Suisse. Bande-annonce de Rien à foutre, et après, on repart pour la lecture. My love has got no money. The diary for today is fine. You're the passenger. My love has got no pain. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en G. Chut. Métier, c'est ce que tu fais, tu vas pas des cafés. Non, papa, tu fais forcément pas comprendre, non, en fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire. How long did you have working? I have to watch on my Instagram. They're beautiful like they're on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition. They're going everywhere. Where are we going? Les gens, bah, je les aime pendant deux heures et puis après, salut. Can you stay with me? Please. Just 5 minutes. You're asking me to be not fair just to reach out your objective. What I want you to do is your job. Don't think about your personal life. Don't let yourself to be consumed. Je trouve que les conditions sont bonnes. Si on ne fait rien, ça va être de pire en pire pour l'avenir. Pour l'avenir, je sais même pas si je vais être vivante demain. Yesterday I seen a girl, she had a tattoo in here, say like happiness is inside me. Voilà. J'espère que ça marche parce que Gabi me dit que. Ça marche peut-être toujours pas, je sais pas, à moins qu'elle ait gardé l'ancien lien. Ou... C'est possible, c'est possible. Donc en fait, les gens qui ont reçu la newsletter peuvent pas nous voir. Ah d'accord, faut renvoyer une newsletter, donc ils regarderont demain. Vous regarderez demain en différé. Donc il y a personne qui nous regarde en fait. On est tranquille. Ah bon, ok. Donc on était au chapitre 5 du tapuscrit d'Alex Manuel, qui a quitté Lausanne. Comme un jeune homme qui veut s'émanciper avec quelques dollars en poche, qui est parti pour Hollywood en passant par New York, qui était à Hollywood et qui vivotait un tout petit peu de figuration, qu'à un cas, en travaillant quelques jours par-ci par-là, mais qui commençait à être un peu insatisfait de sa situation. Chapitre 5, engagé par Universal. C'est vers la fin de cette année 1921, je crois, qu'arriva à Hollywood mon sympathique ami de New York, William Wyler. Nous ne nous étions pas écrits et je ne savais rien de lui quand un jour il apparut dans notre petit cercle groupe francophone avec la mine espiègle et souriante qui le caractérise. Il m'apprit qu'il venait d'être transféré à Universal City et était toujours directeur du service de publicité étrangère dont il était maintenant le seul membre. Et toi, que fais-tu maintenant? Je lui raconte ma vie jubilante et souveraine qu'il qualifie d'échec souverain. Avec une lucide amitié, il voit bien que derrière cette surface, je ne suis pas satisfait. J'ai découvert la liberté, c'est entendu, mais je ne suis pas venu à Hollywood pour être figurant aux manœuvres, n'est-ce pas? Il veut m'aider encore une fois et me propose d'aller le voir à son bureau le lendemain. Universal City devait être le plus grand des studios en existence alors, une véritable ville largement étalée parmi les collines au nord d'Hollywood. J'y vais donc en motocyclette le lendemain matin, par une route bien connue, et que je connaissais aussi, quoique n'ayant encore jamais obtenu de travail à Universal. Elle s'appelait d'abord Carangay Avenue, et de grands eucalyptus l'ombrageaient, entre lesquels elle montait aux Hollywood Mountains, pour culminer au col de Coengua, après quoi elle descendait doucement vers Universal City. C'était une
vieille route goudronnée d'une quinzaine de kilomètres où l'on roulait agréablement sans se presser ou en se pressant, comme on voulait, qui est devenue aujourd'hui une des monstrueuses autoroutes de Los Angeles où tout le monde est pressé. Grâce à l'introduction de Wyler, j'entre au studio comme une lettre à la boîte. Il me parle de son travail de publicité, qui ne l'intéressait pas beaucoup. Puis, nous allons ensemble faire une promenade dans le vaste intérieur du studio, en grande partie à ciel ouvert. Il est le neveu de Carrie Lamy, fondateur et président d'Universal Pictures Corporation, et comme tel, jouit d'une certaine aura privilégiée, dont je ne serai pas sans bénéficier par la suite. Nous errons dans le dédale des décors. Ici, c'est une rue du Forest, à côté, les ruines d'un amphithéâtre, plus loin, le casino de Monte Carlo reconstruit par Eric von Stroheim pour son dernier film, Foolish Wives. Puis, nous nous dirigeons vers un plateau où nous avons aperçu la lumière des Sun Arcs, projecteurs, autour des tables d'un élégant tea room, toute une jeunesse se prélasse. Dans un coin, un orchestre joue une mélodie langoureuse, tandis que le metteur en scène donne à la vedette les indications de la scène suivante. Parmi les figurants, il me semble avoir reconnu quelques visages, et je crois que quelques hommes ont reconnu aussi. Ils ont l'air de se demander ce qui m'arrive, ce que je fais là, apparemment en touriste, qui n'a plus besoin de gagner sa vie. Il m'arrivait en effet quelque chose. Un des jours suivants, cet excellent, ce brave, ce généreux Wyler me présente à Erin Thalberg, le directeur général, et lui demande s'il n'y aurait pas un moyen de me trouver une place quelque part dans le studio. C'était le même Thalberg qui, ayant vu mon screen test à New York, avait déclaré ne rien vouloir de moi. Je crois bien qu'il me reconnut, car c'est sans aucun enthousiasme qu'il nous écouta parler, Wyler et moi, mais il finit par accepter de m'engager comme stock player and stuntman, c'est-à-dire à peu près acteur à tout faire et cascadeur. Ça y était, j'avais une place, un job d'acteur dans un studio. La porte s'était ouverte que je n'espérais presque plus voir s'ouvrir. Alors, tout prit un si grand air d'étrangeté dans mon existence que j'en restais ébloui. En sortant du bureau de M. Thalberg, je sautai au cou de Wyler et l'embrassai. Je devais, je crois, toucher $30 par semaine et être au studio chaque matin pour quel que soit le travail qui se présenterait, y compris la figuration. Du coup, je devenais capable de subvenir amplement à mes besoins et à ceux de mon cher cheval d'acier. Mais surtout, j'avais un pied sur l'échelle du cinéma, même si c'était le plus bas échelon. C'était encore l'hiver. Oui, je crois que ce devait être un des premiers jours de 1922 que ce mémorable événement survint et il me donna une fois de plus une merveilleuse confiance, le sentiment d'une présence tutélaire dans la vie qui me venait en aide quand j'en avais vraiment besoin. Vers le soir, j'allais me promener dans les Hollywood Mountains à motocyclette et à pied par des sentiers déserts et chaotiques. Je sens encore la très légère odeur printanière qui régnait là, à la nuit tombante, parmi les broussailles et les chênes verts. Jamais le miracle de la montée de la sève ne m'avait fait frémir aussi joyeusement. Mes débuts à Universal City se font sous le signe de la doublure. Le tout premier jour ou le lendemain, je fais un plongeon très simple, doublant pour Roy Stewart, sauf erreur, de la falaise du studio dans le lac artificiel. Cette falaise de plâtre et ce lac aux usages multiples, comme ils allaient me devenir familiers au cours des mois suivants. Le stunt suivant est légèrement plus compliqué. Je dois doubler pour un cow-boy à cheval, un star nommé Art Accord, qui est censé sauter avec son cheval du haut d'une paroi de rocher dans une rivière. C'est un peu trop haut pour le cheval et pour l'homme, alors on truque, on double et le cheval et l'homme. On substitue au vrai cheval et au vrai cow-boy un cheval mannequin monté par moi, habillé en cow-boy. Au moment où il s'élance dans le vide, les vrais protagonistes ne sautent en réalité qu'une petite hauteur et atterrissent dans un terrain mou. À l'écran, on les voit de derrière sauter et disparaître en contrebas, comme si c'était du haut de la paroi. La vue qui suit immédiatement est prise au studio, au niveau de la rivière, c'est-à-dire du lac artificiel, qu'on substitue un instant à la véritable rivière. Et l'on voit le cheval, le mannequin cette fois, s'élancer du haut de la paroi dans l'eau, tandis que son cavalier, moi cette fois, s'en sépare pendant la chute et plonge à côté. Pour créer cet élancement, le cheval mannequin, avec moi en selle, est suspendu au haut de la paroi par deux fils d'acier, et on nous fait balancer largement comme une escarpolette. Puis, au moment voulu, on coupe les fils et nous continuons notre trajectoire librement dans l'espace jusqu'à l'eau en une belle parabole. C'est une hauteur de quelques 25 mètres, ce qui me donne le temps nécessaire pour me séparer de ma docile monture et plonger à son côté.
Cette scène est habilement enchaînée avec la suivante qui montre le cow-boy et son cheval nageant dans la rivière véritable et le tour est joué. Tout s'est bien passé grâce à mon ange gardien qui veillait, ou à mon subconscient, ce qui est la même chose. J'avais ressenti en effet pendant toute cette opération un état extraordinaire de passivité, comme si j'avais été porté et mu par une force extérieure. Ainsi consacré stuntman, je fus pendant un temps parfaitement heureux. J'avais ma petite loge où je me préparais au travail chaque matin, comme les autres acteurs du grand studio, les petits et les grands. Parmi les grands, il y avait Lon Chaney, Priscilla Dean, Hoot Gibbons, Jack Mulhall, Mary Prevost, George Walsh, Ralph Graves, Art Accord, Harry Myers, Roy Stewart, Margaret Livingstone, tous des étoiles à l'époque. Je les voyais presque tous les jours, ainsi que les autres, moins connus, on se disait bonjour. Quelques-uns, pour lesquels je doublais, furent de véritables copains. Que sont-ils devenus, combien vivent encore? Ces noms même, sans doute, bien peu s'en souviennent aujourd'hui. Telle est la gloire du monde. Et de combien des célèbres vedettes actuelles se souviendra-t-on en l'an 2000? J'eus donc un certain temps beaucoup de joie à vivre, en cette année 1922, doublant à qui mieux. Je faisais des sauts, des plongeons, des escalades, des chutes, des glissades, des batailles sur des corniches de building. Un coup de poing dans la figure et je tombais de ma corniche dans un filet caché deux ou trois étages plus bas, tandis qu'une autre vue montrait un mannequin continuer la chute mortelle juste dans la rue. J'eus à passer d'une auto à un train en marche, à descendre des rapides impassables en canoë, risquer de me noyer, grimper un mât de navire qui se cassait pendant une tempête, sauter à travers des fenêtres dont le verre s'émiettait avec fracas, un faux verre et un fracas truqué. Ou bien, parfois aussi, comme j'étais accoutré comme la vedette et qu'il avait besoin de se reposer entre deux prises de vue, je faisais à sa place du stand-in, posant pour la mise au point de l'éclairage et de la caméra. Dans mon entourage, je passais un peu pour un fou, mais j'étais très content de moi-même. Les premiers temps. Les premiers pas dans la vie sont une belle chose. On s'élance sans crainte, sans repos, avide de l'avenir. Je précipitais donc mon corps sans hésitation dans toutes ces aventures hardies qui allaient, je croyais, me conduire à la gloire. Ô jeunesse, ô espérance. Wyler s'était aussi acheté une motocyclette qu'il conduisait avec brio. Et nous allions partout en moto, au travail, au restaurant, au cinéma, à la campagne, à la plage, souvent avec un copain en croupe, quelquefois une amie. Le dimanche, après une semaine dans le tohu-bohu caquetant du studio, on avait plaisir à goûter à d'autres choses, ainsi qu'à les découvrir. Il y avait cette chose qui nous entourait de toutes parts, mais qu'on méconnaissait, la nature. Il y avait toutes ces routes qui y menaient. Quel plaisir on avait de les suivre à la découverte. Il y avait les Indiens, nous nous intéressions aux Indiens. Et nous poussions volontiers jusqu'au bord du désert Mojave, où il y avait une réserve indienne. C'était un village qui s'appelait Palm Springs, où une tribu d'Indiens reste pour toujours propriétaire du terrain. On tournait parfois des westerns dans ces environs déserts et on y voyait des décors voyants et vides qui se fanaient au soleil. Mais ce qui nous plaisait surtout, c'était d'être là, dans l'atmosphère unique des peaux rouges. Il représentait ce que le monde est en train de perdre, une vie intégrée à la nature. Il représentait aussi un peuple malheureux dont le triste destin nous touchait. Nous admirions leur philosophie et leur religion et leur légendaire courage. On se promenait dans leur rue principale, bordée de petites maisons beiges en blocs d'adobe. On voyait ces hommes et ces femmes dignes et simples, habillés comme nous maintenant, mais qui restaient l'anap, ce qui veut dire les vrais hommes. On se sentait bien à voir ça, ainsi qu'à le découvrir. On leur disait bonjour, ils nous disaient bonjour, ils souriaient, on se sentait bien. Un bon nombre de films se tournant en location, c'est-à-dire sur le motif, loin du studio, en des sites appropriés à l'action. Sur la mer, dans le désert, dans les rues, dans les montagnes ou des bois, et la Californie suffisait à tout cela, peut-être avec un peu d'Arizona et d'Oregon au besoin. C'était encore le temps des films à épisodes, pleins de péripéties et d'escapades dangereuses, où les stunts abondaient et où on avait besoin de mes services. Ce qui faisait que j'étais en demande souvent, ainsi que les autres cascadeurs de la maison, trois ou quatre que nous étions alors. Les stars d'Universal se voyaient en effet par contrat interdire les accidents, même simulés, devant la caméra, en sorte qu'ils avaient chacun leur doublure pour les rôles hasardeux. Je devins ainsi le double attitré de Harry Myers dans Robinson Crusoe, un long film à épisode, et de Roy Stewart dans une série de courts-métrages relatant les aventures d'un légendaire homme des bois dans le Grand Nord.
Je ne développais de cette façon aucun talent histrionique, mais menais une vie agréable et salubre dans l'eau et dans les airs, en nageant, en plongeant, en grimpant aux arbres et aux buildings, ou bien suspendu à des lianes, à des câbles, à des rochers surplombants. Ou encore en sautant d'un train du haut d'un pont dans un fleuve, ou du bord d'une gorge de montagne dans l'autre, ou en descendant des falaises d'une rivière en canoë. Il nous fallut aussi, une fois arrivés à une cascade, le canoë et moi, où nous disparûmes dans l'écume quelques instants pour reparaître bientôt plus bas dans le courant. Tout cela me valut aussi de bien jolis voyages ici et là, qui satisfaisaient plus ou moins mon wanderlust. Dès mon arrivée à Los Angeles, j'avais été frappé par l'extraordinaire beauté des femmes. Elles s'habillaient peu, mais bien, avaient généralement le corps bien fait, les jambes longues, le teint frais. La contrée était pleine de jeunes filles adorables, mais ce qui me frappait aussi était l'air hautain de toutes ces jolies, leur indifférence. À moins que vous ne fussiez quelqu'un d'important, elles ne vous regardaient point. Le bonheur pour elles était ce qui pouvait les faire avancer dans leur carrière. Leur sourire et leur faveur étaient réservés aux mogols et aux sheiks du cinéma qui pouvaient leur être utiles. Dès qu'elles flairaient l'odeur du succès ou de l'argent, elles déployaient leur charme et étaient prêtes à tout. En Suisse, on m'avait un peu couru après. Ici, je n'existais pas. Après les arbres et les fleurs et les sources vives, le désert. Mais, Gabi Giraud m'écrit, bilan final, ça n'a plus bougé depuis 30 minutes, même pas un petit sursaut, capture d'écran. Donc Gabi n'arrive pas. Tu peux lui répondre De nouveaux liens. Ouais, ou qu'elle pourra regarder en différé demain. Gabi, on est désolé, mais on a eu trop de problèmes techniques. Mais chose étrange, il était beau aussi le désert, je l'aimais. Il y avait un nouveau plaisir à être en dehors des choses, il y avait un plaisir à être neuf devant des choses neuves, sans attache, l'esprit et le corps libres. Les premiers temps surtout, je m'asseyais, à la fin de la journée, sur un des bancs au bord du boulevard. Par exemple, sur le banc qu'il y avait devant les drugstores, ou au coin de Western Avenue et Hollywood Boulevard. On s'asseyait là, seul ou avec un copain, et on regardait passer la vie. On était bien. La soirée pleine de lumière et de douceur était autour de nous et on regardait les gens aller et venir. C'était les artisans et les artistes du cinéma qui allaient et qui venaient. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres parce que Hollywood, alors, c'était le cinéma. Presque tout le monde y travaillait au cinéma. Et le soir, on venait flâner sur le boulevard après le travail pour profiter de la fraîcheur et beaucoup n'ayant probablement rien de mieux à faire. Toutes sortes de gens, des techniciens, des figurants, des cow-boys dans leurs costumes avec leurs grands chapeaux, des profils célèbres, des jolies filles, ils venaient au drugstore boire un soda ou acheter des cigarettes, car il n'y avait pas grand-chose à faire le soir à Hollywood alors. On pouvait voir passer Pearl White dans une petite auto-découverte ou Rudolph Valentino dans une grande voisin et Tom Mix dans une de ces voitures de haute race qui peuvent se permettre d'ignorer les modes. Celle de Mix, roi des cow-boys, était harnachée comme un cheval, avec un quartier de sel de chaque côté et des ornements en argent et en cuir de luxe un peu partout. Wallace Reid, beau comme Apollon, vint à pied acheter un magazine et Clara Bow, accompagnée d'un cow-boy de la même couleur que ses cheveux, vint prendre une glace au comptoir du drugstore. George McCatton, jeune premier de réputation bien établie à ce moment-là, mais sans lendemain, me vit là un jour et me sourit, ayant lu sans doute mon admiration sur mon visage. Il s'approcha et nous eûmes une brève et gentille conversation. Il devait disparaître de Hollywood quelque temps après et je ne sais pas ce qu'il est devenu. On voit que Hollywood était encore un village à cette époque, aux environs de 1922. Et c'était un endroit où les célébrités pouvaient se promener sans que personne les dérangeât. Ce n'était pas une curiosité que d'être célèbre, et on les laissait tranquilles. Il était aussi possible à Charlie Chaplin, par exemple, comme un peu plus tard à Greta Garbo, de faire de longues promenades à pied en toute tranquillité. Un jour, que je me promenais à Beverly Hills, je reconnus à quelques pas devant moi la silhouette de Chaplin, qui se promenait aussi tout seul. Il était tête nue, vêtu d'une veste de sport et d'un pantalon de flanelle gris mal repassé. Il marchait assez lentement, les bras derrière le dos, petit, plongé dans ses pensées, ne regardant ni à droite ni à gauche. Je ralentis le pas et, l'ayant suivi quelques instants, le laissai s'éloigner, saisi d'admiration en constatant l'isolement complet de cet homme, le plus populaire du monde, qui pouvait être aussi seul que n'importe qui à Hollywood. « Veille, Soli,
Ah, grand Dieu, non, bonheur, bonheur. On est vraiment soi-même, on ne peut être soi que dans la solitude. Beauté, solitude, sola beate solitude, sola beatitudo. Beverly Hills était alors un lieu idéal pour la marche. On pouvait suivre ses chemins ondulés, contournés et déserts, pendant des lieues et des lieues dans toutes les directions. C'était la campagne. Là, une petite note manuscrite sur le tapuscrit. On passe de la page 111 à la page 115 et on a « Il n'y a pas de 113, ni de 114, ni de 112 ». Donc, il y a eu des pertes de pages. Alors, vers la fin de ma première année à Hollywood, j'avais donc une certaine solitude du cœur. Mais j'avais la jeunesse, la liberté, la santé et depuis peu, mon pain assuré. J'allais au studio chaque matin en moto, plus tard ce fut aussi dans un vieux teuf-teuf de rencontre que j'y allais, et je rentrais chez moi la journée finie. Parfois on était en location, quelque part pour quelque temps, mais la plupart du temps j'habitais Hollywood. Mon plus fidèle ami à ce moment-là était William Wyler, dit Willie Wyler. Il avait les premiers temps le même salaire que moi, 30 ou 35 dollars par semaine, ce qui nous mettait plus ou moins au même niveau social. Nous avions plus ou moins les mêmes goûts et les mêmes copains. Il n'était pas un social climber, grimpeur d'échelle sociale, comme certains de nos amis. Et se plaisait, comme moi, à nous randonner en moto et à notre milieu bohème d'artistes et d'étudiants. L'University of California à Los Angeles était loin d'être le grand centre universitaire qu'elle est devenue, mais attirait déjà pas mal de monde. On était une bonne petite bande et c'était une bonne petite vie qu'on avait. Des parties les uns chez les autres, pique-niques sur l'herbe ou baignades à la mer en week-end, parfois une petite sauterie dans la maison amie. Notre plus grande folie était un occasionnel jeu de crans, de craps, où l'un ou l'autre d'entre nous perdait son maigre pécule et parfois jusqu'à sa chemise. On peut voir si M. Muller est parmi nous éventuellement. Voilà, tu peux lui écrire. Et on va passer au chapitre suivant, Stuntman et doublure. Après, engagé par Universal, nous continuons. Comme tout village qui se respecte, notre village a ses types, ses personnages, ses caractères. Bon, petite excursion en dehors du tapuscrit. Il faut quand même rappeler que Willie Wilder, c'est quand même le metteur en scène plus tard de Ben-Hur. Il a eu 11 Oscars avec ce film. Donc là, il commence sa carrière comme responsable de publicité. Il va petit à petit se mettre à réaliser et ça va devenir un des réalisateurs les plus forts au box-office des studios hollywoodiens. Il va travailler donc pour Universal, mais après il va travailler pour la Warner, il va travailler un peu pour tout le monde. Pendant la guerre, il va s'engager, il va faire des films de propagande, enfin, il va faire ce qu'il sait faire, mais au service de l'armée américaine. Il avait, je crois, un grade assez élevé. Et puis après, il va continuer à faire des films. Bon, ce qu'il faut savoir, enfin, ce que moi je ne savais pas avant de préparer ces petites lectures, bah, c'est que son père était suisse, que lui-même était né en Alsace, de père suisse et de mère allemande, donc il était franco-allemand, avant de prendre plus tard la nationalité américaine et d'avoir une carrière pleine de succès. Donc il y a un Suisse qui a eu une pliée d'Oscars, mais c'était autant du cinéma muet. Et puis je vous rappelle, pour celles et ceux qui ont suivi la semaine dernière la lecture, c'est lui qui a préfacé ce tapuscrit de notre ami Alex Manuel. Donc c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire du cinéma, parce que Ben-Hur, le Ben-Hur original, c'est quand même quelque chose. On aura Emle Muller avec nous dans 5 minutes environ. Donc le temps de commencer le chapitre suivant, Stuntman et double. Comme tout village qui se respecte, notre village a ses types, ses personnes, ses caractères. En fait, Hollywood, à cause de son caractère particulier, était plein de ses caractères. Toutes les personnalités illustres se rencontrent fréquemment dans la rue. Jésus-Christ, Abraham Lincoln, Lloyd George, le roi d'Angleterre. Mon ami Arthur Urny dut sa chance de sortir du rang des extras à sa ressemblance avec le roi des Belges Albert Ier. Les hommes barbus, les possesseurs de favoris imposants, sont très appréciés. Même les hommes chauves, à l'occasion. L'autre jour, le studio Maxenet avait besoin d'une douzaine d'hommes chauves. 3 bossus et 1 géant. Les esclaves nubiens, les gardes Raja ou d'empereurs romains se recrutent facilement parmi la population
nègre qui abonde en type herculéen. Nous sommes, le texte a été écrit donc milieu des années 40, fin des années 40. Nous sommes comme un grand jardin zoologique, mais c'est de matériel humain qu'il s'agit. Et le bureau central de casting, on approvisionne les studios, tout comme Hagendeck de Hambourg envoie les animaux étranges aux ménageries. Quel gaspillage d'humanité que cette foire! Comme tous ces beaux corps et tous ces visages intéressants peuvent-ils rester là? Comment peuvent-ils rester là? Chacun espérant qu'il sera un jour l'un des élus sortis des rangs de la figuration et dont la proportion est approximativement de 1 sur 1000. Beaux corps et visages intéressants peut-être, mais la plupart, je crains, visages sous lesquels rien n'habite. Un de ces caractères, pourtant, avait quelque chose dans la tête. C'était Old Peter, l'ermite, aux cheveux longs, en robe de bure et pieds nus ou nus dans ses sandales. Il vivait seul avec un âne et un chien dans un canyon de Beverly Hills. Pas très grand, mais droit, robuste, dans la cinquantaine, la face rose, les joues sans plis, les yeux bleus d'un enfant, un sage. Fort bien vu dans la colonie, d'ailleurs, et de temps en temps gagnant, comme modèle d'artiste ou petit rôle genre Saint-François d'Assise, des cachets appréciables, cependant ne recherchant point ce travail. Grand marcheur, il disparaissait parfois pendant des semaines dans les montagnes de la Sierra Madre, seul avec l'âne et le chien. Indifférent à l'argent, mais ah, qu'il semblait autrement riche que nous. Je lui ai si souvent parlé, il était très accueillant. C'était un disciple de Bouddha, sans désir et sans égo, à ceux à qui la vie Bouddha, exemple de repos. Quand il passait sur le boulevard, il avait l'air d'un vagabond, mais à regarder de plus près, on voyait que c'était un prophète, avec sa barbe et ses cheveux longs et ses yeux clairs de poète. Il passait sur le boulevard, la barbe au vent et les pieds nus, parmi les pressés et les inquiets, et l'on se retournait ému, la vie soudain semblait plus belle. C'était Peter l'ermite, détaché aérien, vivant comme une hirondelle, exhalant la liberté, le bonheur et le voltage, ne travaillant que juste assez, un peu de jardinage, ne possédant presque rien, dans sa cabane au flanc du mont, un lit de camp, une marmite, c'est assez bon, disait riant Peter l'ermite. Le silence et la solitude étaient son habitude, toutefois quand il parlait, sa voix éveillait des ailes, il disait si la vie se tracasse, si la vie te tracasse, si la vie te déçoit, elle passe et le moi passe, mais il y a plus que cela, le vrai moi est ailleurs, il y a une autre rive, et tranquille, en cette autre rive, il rayonnait de bonheur. Le moi est un sommeil, l'extase, l'amour, un réveil, la vie est toujours un miracle, mais l'ego souvent ne l'est pas. Alors monte à la Sierra avec un peu d'altitude, vis la plénitude. Monte à pied, tu verras, au-delà de toi ta merveille, et de même que le soleil baigne les arbres et les fleurs. La paix de la nature te baignera. Oublie-toi, regarde, écoute, et doucement tu comprendras, tu te fondras dans cette mer dont tu n'étais qu'une goutte. Tandis qu'il parlait ainsi, on se sentait revivre. Des rideaux se lèvent dans l'esprit, le brouillard s'éclaire, on voit qu'il va faire beau temps. C'est dans le ciel que cela tourne, et c'est en nous, le ciel est en nous, notre paradis, le néant. Je vais me perdre dans l'ailleurs, dans cet ailleurs au fond de nous, luminomètre de séant, profond, insondable océan. On pensait la dissolution, rien de plus aimable, rien de plus semblable à la solution. C'est un long poème de notre ami Alex Manuel, dont le talent n'était pas à l'évidence la poésie. C'était pas... Ah, voilà. Mais je voulais lire quand même ce poème à ce bouddhiste figurant qui jouait les Saint-François à Hollywood en cette année 1922. Mais en ces jours, là, je ne me sentais pas encore mûr pour cette solution. La question est de savoir ce qu'on est, ce qu'on sait faire dans la vie. Voilà plus d'un an que je suis à Hollywood et je ne sais toujours pas si j'ai un talent quelconque pour ce métier d'acteur que j'ai choisi, un peu impulsivement, et où je me trouve à présent coincé. Alors je me disais, demain, il faudra que je sache. Mais les jours passaient et je ne savais toujours pas. Chaque matin, entre 7 et 8 heures, je quitte mon bungalow et ma machine à pétrole m'emporte à travers le matin lumineux. Je traverse vivement avenue et boulevard, accueilli tantôt par de longues files de palmiers ou d'eucalyptus, tantôt par d'autres arbres tropicaux, dont l'incroyable richesse baigne la foule démocratique des bungalows. Il fait clair et le ciel est bleu, et le soleil tamisé par les arbres à cette heure matinale est comme la soie, de la soie tissée.
On roule environ une demi-heure par le col de Kawenga qui coupe les Hollywood Mountains et de l'autre côté, la ville studio Universal City s'étale tout à l'aise dans une campagne encore presque déserte à cette époque. Ayant parqué ma machine, je traverse le bâtiment d'entrée, ce hall où, coudoyé de beaucoup d'autres, je devais passer si souvent. Un large vitrail étale la marque du studio, un globe terrestre flottant dans les nuages, ceint obliquement d'un bandeau où se lit le nom de la firme Universal. Si c'est un jour où je n'ai pas de stunt à faire, je me rends au casting office avec l'espoir que peut-être le destin me permettra de faire quelque chose de mieux que de la simple figuration. Mais les journées se passent et l'on est déguisé tantôt en marquis Louis XV, tantôt en soldat romain, ou bien on est en smoking ou en costume d'équitation. Travail qui permet de vivre, mais n'augmente en rien l'intelligence, ni la considération qu'on a pour soi-même. Parfois, on est placé tout près de la caméra et on attend avec impatience la première du film pour ne voir qu'une ombre fugitive traverser l'écran pendant quelques secondes. Et l'on persiste malgré tout, jour après jour, semaine après semaine, on attend son opportunité. Il y en a qui ont fait ça pendant des années et des années, et ils vieillissent ainsi, leur visage se flétrit, on devine leur mélancolie sous leur phare, sous leur rire et leur enjouement forcé. L'Amérique s'intitule une démocratie, et généralement en est une, mais il y a des îles, des îlots, où la notion de classe, de race, de titre domine encore, dans le Sud par exemple, entre blancs et noirs. Et nulle part plus que dans le monde du film ne s'affirment ces choses, ces différences de caste momentanément d'ailleurs, et réglées surtout par la valeur marchande, mais qui n'en constituent pas moins des barrières pratiquement infranchissables. Au bas de l'échelle dans notre monde et dans le pauvre, et donc le pauvre. Au bas de l'échelle dans notre monde est donc le pauvre figurant, un accessoire semblable à un meuble qui ne compte pas en tant qu'individu. Le metteur en scène l'ignore, laissant à ses assistants le soin de le manœuvrer. On cite une star qui, quand elle travaille, exige qu'on installe près d'elle et bien en vue une pancarte avec ces mots « Les extras sont priés de ne pas adresser la parole à Miss X ». Nous n'avons pas vérifié cette assertion. Il y a même une hiérarchie parmi les figurants. Il y a ceux qu'on choisit pour jouer un beat, un tout petit rôle. Il y a les extras mondains et les simples extras de foule. Mais nous nous abstiendrons ici de ces fascinants détails. Au-dessus des figurants se placent les spécialistes, comprenant les caméramans, les assistants directeurs, les rôles moyens, les secrétaires des pontifs, les stuntmen. Tout cela se situe à peu près au même niveau social et peuvent, sans inconvénient pour le décorum et partant pour leur avenir, frayer ensemble. Viennent ensuite les artistes et les directeurs, les producers et les chefs de département et les scénaristes quand ils sont des écrivains connus. Et c'est au-dessus de ces derniers que plane l'aristocratie du film, qui se recrute parmi les présidents des grandes firmes, les étoiles, les auteurs célèbres, les metteurs en scène classés, dont les noms s'inscrivent en lettres de feu sur les affiches lumineuses. Et là encore règne des clans, une hiérarchie définie, basée sur le dogme que les étoiles de comédie, Charlie Chaplin et Harold Lloyd exceptés, sont inférieures socialement aux étoiles du drame. Ainsi, Buster Keaton, Ben Turpin, Louise Fazenda ou Zazu Pitts, malgré leur grand succès, ne sont pas inscrits au livre d'or du clan élu. Les plus exclusifs entre tous sont les 2000, William et surtout Cecil, qui possèdent une villa de style italien à Beverly Hills, une vaste propriété dans la montagne, et un yacht princier ancré à San Diego. Se voir reçu chez les 2000 constitue un brevet de noblesse et autorise quiconque ainsi honoré à tous les espoirs. Quant aux habitués de ces réceptions, ils en deviennent souvent plus prétentieux et suffisants que leurs célèbres hôtes. J'ai toujours admiré les acteurs, tout en les trouvant, en général, trop entièrement du siècle, sans profondeur. Et en vérité, ceux que je vois ici sont presque tous de grands enfants vaniteux, guère occupés d'autre chose que de petites questions d'amour propre. Et c'est aussi ce que j'étais, un grand enfant vaniteux, comme les autres, ce qui faisait que j'étais là. Mais on peut être vaniteux sans avoir le goût de la réussite sociale. Et pour moi, toutes ces histoires de prestige, de rang, de vétille protocolaire, constituaient un triste commentaire sur la nature humaine et m'embêtaient prodigieusement. Ce que je préférais ces premiers temps à Universal, c'était quand j'étais attaché à une équipe pour la durée d'un film comme double de star, spécialement si c'était un film à épisode. On apprenait ainsi à se connaître les uns les autres et il y avait souvent un bon esprit de camaraderie dans toute la troupe. Je me rappelle avec un plaisir particulier de longues semaines pendant lesquelles je fus un double de Robinson Crusoe, Harry Myers étant l'original. Tous les deux habillés de peau et de feuillage, nous n'étions jamais loin l'un de l'autre et il fut toujours très gentil envers moi.
C'était un type amusant, plein d'entrain et un excellent acteur. Il avait été la vedette de Connecticut Yankee at King Arthur's Court en 1920. Son dernier rôle important fut le millionnaire excentrique dans Les Lumières de la Ville de Chaplin, commencé en 1928. Comme il n'était pas très athlétique et ne consentait à faire lui-même le moindre saut, ni même à simplement tomber par terre, de fréquentes substitutions avaient lieu entre lui et moi. On coupait le film vers la fin du stunt que je faisais pour lui et on raccordait à un gros premier plan où il avait pris exactement ma position et terminé dans le même mouvement. Ces subterfuges étaient si adroitement enchaînés que le spectateur ne se rendait compte de rien. J'allais souvent voir mes films quand ils sortaient dans un cinéma et c'était cocasse de se voir grimpant à main ou dégringolant d'un rocher, et de savoir que c'était tantôt soi, tantôt l'autre, qu'on voyait, bien que parfois je ne fusse pas sûr exactement d'une telle où une telle action finissait et l'autre commençait. On peut aller trouver M. Müller, qui, je crois, est dans la Babylone Zwinglen, et non pas à Bienne. Bonsoir, M. Müller. Alors, il faut que tu... Bah, je crois que c'est pas la soirée. Hein. C'est pas la soirée. Je pense... Vous m'entendez ? Oui, moi je t'entends. Tu nous entends ? Très, très faiblement. Très faiblement. Alors, je vais parler fort. Bonsoir, Olivier. Le micro est coupé, apparemment. Je sais pas, il dit que mon micro est coupé, apparemment. Le micro de ton Zoom. Le micro du Zoom, mais le micro du Zoom est toujours coupé. Là, tu entends ? Mieux ? Non ? Tu n'entends pas mieux ? Bon, bah, écoute, tu n'entends pas bien. Mais tu me comprends à peu près ? Ouais, de très très loin. T'es très loin. Alors, tu te concentres, parce que dans le liage, je pense que j'aurai une voix normale. Qu'est-ce que t'en penses ouais. Donc, nos amis téléspectateurs qui vont nous regarder en différé, parce qu'on a eu plein de problèmes au début, m'entendront normalement. Donc, concentre-toi comme une vieille chose que tu es. Ah, il s'en va. Il s'en va. Tu t'en vas. Je t'entends quasiment pas, Thierry. Quasiment pas, on doit, même si je parle fort comme ça, tu m'entends pas ? Non, je t'entends vraiment pas. De... Ça va pas être possible. Alors, Olivier, de quoi veux-tu nous parler ? Ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe sur le marché ? C'est un peu mon dilemme aujourd'hui. C'est qu'au fond, j'en ai presque pas la moindre idée. Puisque je suis un petit peu, non pas retiré du marché, mais retiré du métier. Mais c'est aussi intéressant du coup de venir chez vous, parce que c'est vrai que, puisque je travaille plus dans le cinéma, dans l'audiovisuel, et si je devais résumer le constat qui est le mien aujourd'hui, ce serait de dire le cinéma a un petit peu disparu des écrans. Je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai quitté la scène ou bien parce qu'il y a véritablement une suite de ce changement d'habitude et de mode de consommation dont on parlait. Quand je regarde les chiffres que j'ai plus le temps de consulter aussi de façon aussi assidue que par le passé, les chiffres d'exploitation, et que je vois par exemple que dans toute la Suisse, le week-end passé, il y a eu même pas 40 000 entrées qui ont été faites au cinéma. Pour pas dire de bêtises absolues, ouais, c'est 37 000 entrées faites dans le week-end passé en Suisse. Alors certes, peu de nouveautés. Hein, le seul titre important, c'est Doctor Strange, qui est déjà sorti depuis plusieurs semaines. Mais il y a quand même quelque chose de fond qui est surprenant. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. On a eu plusieurs articles, hein, préparant Cannes, dans la presse française en tout cas, qui arrivaient le même constat. Il y a une vraie crise. Et en France, il y a encore cette exception culturelle qui font qu'on parle de cinéma, surtout parce qu'il y a Cannes. Mais je pense ton sentiment de l'extérieur, que le cinéma devient quelque chose de moins attrayant, dont on parle moins, je pense que c'est tendanciellement assez juste. Hein. Tu m'entends pas ? Je t'entends extrêmement faiblement. J'ai mis mon micro, mon casque au maximum. Ouais, mais c'est un casque pourri, c'est ça ? T'as du mauvais matériel ? Non. Ah, c'est un casque high-tech. Ouais, c'est ça, c'est trop high-tech, c'est du riz, quoi. Nous, on n'a pas le niveau, quoi. C'est mieux. C'est mieux, là ?
Tu m'entends mieux ? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, ça fait quelque chose ? Il a coché une case, donc il coche, il décoche, il n'y a plus, il n'y a pas. Donc non, je disais ouais, Il apprend le métier. Il apprend le métier, oui, c'est Arnaud, tu vois, c'est un jeune premier, c'est un stagiaire, on a un stagiaire. À l'éternel jeune premier. À l'éternel jeune premier, oui, toujours. Mais non, je disais que, je comprends ce que tu dis, hein, vu un peu de l'extérieur, tu ne sais pas si c'est toi qui es déconnecté. Non, non, mais je pense qu'il y a vraiment une... Je disais en début d'émission, je pense que tu étais encore dans le train, tu vois, aujourd'hui, on est en plein Cannes. Et si tu prends le temps aujourd'hui, les trois quarts de la page cinéma, c'est pour parler de Top Gun. Il n'y a pas besoin d'aller à Cannes pour ça, tu vois. Et d'en parler en disant rien du tout. J'ai aussi poussé une gueulante en disant ces débiles de Cannes qui nous font payer 20 euros pour leur bilan carbone. Ils font venir la patrouille de France pour dire bonjour à M. Tom Cruise qui est venu en jet privé puis en hélicoptère. C'est ce que dit l'article. Non, l'article il dit rien. Ah. L'article, il dit qu'il semblerait que ce soit une des conditions qu'ait posée Tom Cruise pour venir, qui est la patrouille de France. Mais l'article, il ne dit pas que c'est un scandale, que c'est un foutage de gueule et que c'est une démonstration par l'absurde de l'incohérence du greenwashing cannois. C'est quand même... Ouais. Moi, je ne comprends pas que ça continue. Je ne comprends pas qu'on puisse en être là. Quoi. Je trouve que c'est tellement... Bah, je pense... C'est du désespoir. Il y avait un article que je lis l'autre jour, enfin une news comme ça, qui est, je sais plus du tout où c'était, et qui dit Tom Cruise, c'est la dernière star, le dernier espoir du cinéma. Et avec lui, on peut, le marché peut se rattacher à l'espoir qu'en faisant encore et toujours du glamour, selon le vieux modèle des stars depuis les années 20, ça va marcher. C'est vrai que c'est la seule chose dont on sait qu'elle marche vraiment et puis qui correspond vraiment à une attente des gens. Mais est-ce que ça peut... Le star system a toujours existé, mais il était accompagné par tout un fan system, par des histoires, par beaucoup d'autres choses. Les stars n'étaient pas toutes seules autour de rien. Oui, puis il y a star et star. Toi, je veux dire, quand même, un film tourné il y a 2 ans, vague suite d'un film d'il y a 20 ans... Sans rien autour, comme tu dis, t'as l'impression que Cannes, c'est bientôt la porte après Locarno, quoi. Parce que c'est pas non plus de la star de première fraîcheur, quoi. Toi, j'entends. Bon, c'est peut-être pas la star de première fraîcheur, mais c'est une star qu'on aime ou pas, quand même, réussit tout, quoi. Ça convertit, bon, ok, à part la scientologie. Non, mais c'est ok, il a réussi ce qu'il veut, il croit à ce qu'il veut, moi je m'en fous, quoi. Tu vois. Il était producteur, il a vraiment produit, et bah, tout autour de Mission Impossible, il a passé de star pour jeune adolescente à producteur de top niveau, hyper exigeant, c'est un studio à lui quasiment tout seul. Ok, il n'a pas passé le stade du à la DiCaprio de la star sur le retour qui va tourner chez les auteurs. Il a sans doute jamais voulu. Il a fait un, bon, Man dans et nous Arnaud Gantebein. Ce polar de Man, enfin il a fait 2-3 choses comme ça un petit peu à côté, mais il est resté quand même très très mainstream. Mais malgré tout, comme tu dis, c'est étrange, quoi. Non, mais c'est étrange le reste de Cannes... dans le contexte actuel, tu vois. Je veux dire, ce que je trouve très étrange, en début d'émission, je lisais les... Comment ? Collatéral. En début d'émission, je lisais les mails qu'on reçoit des accréditations du marché, que Cannes se verdit, qu'il y a des chartes de décarbonation et tout, qui te renvoient chez Nestlé, chez BMW, c'est un sponsor bien aimé. Donc déjà, c'est un foutage de gueule. En plus, c'est toi qui dois payer 20 euros en plus ton accréditation pour ça. Et cette même année, ils font venir la patrouille de France. Donc, je veux dire, c'est tellement extrême comme écart entre un discours bien poli, bien dans l'air du temps. Et puis après, tu regardes tout le festival à cette aune-là. Et puis tu vois les femmes objets, tu vois les mâles alpha, tu vois ce vieux monde qui vit en bulle et qui continue quand même un peu comme si de rien n'était. Mais c'est un peu pathétique, quoi. Je l'avais partagé avec vous l'autre jour, cette image de... C'est assez marrant. J'étais en train de lire des journaux allemands et suisses allemands. Et puis, il y avait comme ça plein de flash news, plein de push qui arrivaient autour de cette militante féministe. Seins nus au milieu de, sur la montée des marches, avec un arrêtez de nous violer,
en anglais écrit peint sur son torse nu. Et avec le drapeau ukrainien. Avec le drapeau ukrainien. Donc évidemment un rappel, une référence aux femmes. Et tout de suite, ce qui était vraiment frappant, c'était de voir avec la brutalité de ces types en smoking, le smoking de Cannes avec le nœud pimp, etc., enfin le dress code cannois, qui la sortait, quoi. Et ce qui était drôle sur le moment, j'ai pas suivi après, c'était resté comme ça, mais c'était, j'étais avec quelqu'un germanophone, puis on checkait en parallèle qu'est-ce que font les Français. Il y avait rien sur aucun site de news français, alors que c'était en train d'exploser partout, en tout cas en Allemagne, sur The Guardian, etc., quoi. Non, les sites français sont restés avec rien. Je veux dire, ça les intéresse pas ce qui bouscule le protocole, parce que c'est un crime de lèse-majesté quelque part. Tu vois, je veux dire, on fait venir le président ukrainien sur grand écran, on a au marché, il y a un stand sur deux avec un drapeau ukrainien, puis We Stay With Ukraine, tu vois, et puis t'as même des vendeurs qui disent oui, alors ça c'est un film ukrainien, mais on l'avait acheté avant, hein, mais on a renoncé à notre part pour aider l'Ukraine, puis tu dis aux gens, mais en fait, vous financez la guerre. En fait, vous n'avez rien trouvé de plus intelligent que ça comme excuse pour exister. Mais il n'y a pas de réflexion. Il y a une sorte de... Mais ça, c'est d'une façon générale, hein, ce n'est pas seulement Cannes. Il y a quand même une sorte d'instant stupéfiant, je trouve, si on regarde ça depuis nous, la Suisse. Quelque part, en quelques semaines, même depuis quelques années, un peu, l'ensemble de ce pourquoi les activistes suisses dans les années 80 manifestaient, la fin du secret bancaire, la fin de la neutralité, l'engagement dans le monde, tout ça arrive pour de mauvaises raisons, et d'une manière bizarre, mais ça arrive. Par exemple, je suis un peu, je ne sais pas si tu suis sur le seul réseau où je suis, sur LinkedIn, je suis les efforts démesurés de notre ambassadeur Nicolas Bidot pour essayer d'expliquer au monde la théorie de la neutralité. Je veux dire, c'est digne, enfin c'est du Molière, quoi. C'est une farce. C'est un peu les précieuses ridicules. On dit, on veut rester neutre. Enfin, faut comprendre, c'est de la neutralité un peu différente. Il faut s'adapter. Enfin, c'est quand même un peu étrange, quoi. Et avec cet argument politique qui semble suffisant, non, mais quand même, quand on attaque la démocratie, on peut plus être neutre. On en conclut donc que les nazis attaquaient pas la démocratie. Parce que ça allait très bien pendant la Deuxième Guerre mondiale d'être neutre, mais pas maintenant. Alors que toi et moi, enfin, la génération, tous les gens nés entre 1950 et 1975, probablement, bah, on a vécu exactement la même chose, avec la démocratie d'un côté et puis le bloc soviétique de l'autre. Et pourtant, en Suisse, ça ne nous a pas empêché à l'époque de rester complètement neutre. Alors que... Y compris avec l'Afrique du Sud, y compris. Donc, je ne dis pas que. Mais comme ça se passe. La rapidité avec laquelle ça se passe, je veux dire, la seule bonne nouvelle avec Top Gun, pour revenir à Top Gun, c'est que c'est des FA-18. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des F-35. Allez voir Top Gun et votez non aux F-35 parce qu'ils vont bien assez vite. Ils sont bien assez bons, tu vois. Voter, ça me fait penser à... Voter non, surtout, ça me fait penser à ex-Netflix. Ah oui, on ne s'est pas reparlé depuis l'acceptation de la nouvelle loi sur le cinéma. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'ai entendu M. Bercel le lendemain ou le soir de la votation qui dit non, tout ira très bien, il y a aucun problème, on soutiendra les films ou les séries de tout le pays, de toutes les parties du pays, du Tessin, de la Suisse romande, en Romanche, etc. Je vais regarder la loi, j'ai pas vu beaucoup de traces de méthodologie qui permettait de garantir une clé de répartition, ou bien une clé Helvetia. Non, mais ça, il n'y a certainement pas. Après, moi, j'ai pas vu la loi d'application, quoi, comment ça va se concrètement s'incarner. J'ai un peu parlé, hein, ici et là, avec des fonctionnaires et puis avec des gens qui sont un peu proches du dossier. J'ai l'impression que le souhait secret, c'est que tout soit réglé par le marché. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas la nécessité d'une quelconque intervention et que tout soit réglé par le marché où les plateformes vont coproduire ou acheter un peu de tout et comme tout est équivalent, tout le monde pourra un peu en profiter. Il y a une proposition brechtienne. Hein? Ah mais c'est quoi, c'est pas en direct derrière. Tu fais quoi?
C'est les mouvements, gros. Bouge. Voilà. Bah alors, tu vois. Ouais, mais non, il y a un monstre delay. Il y a un monstre delay, parce que c'est un broadcast high-tech chez MTV Guy. Ah, d'accord. Je sais pas comment ça va être appliqué, mais pour rebondir sur ce que tu dis, donc cette loi étant acceptée, 4% des chiffres d'affaires doivent être réinjectés, pour faire simple, une vingtaine de millions. Et face à ces 20 millions, il va falloir mettre de l'argent. Parce qu'au fond, si tu analyses un peu en détail d'où viennent ces millions, je pense qu'il n'y a aucun des agents, peut-être une fois Netflix de temps en temps, qui a les moyens de faire une chose toute seule. De se payer complètement quelque chose. Donc très probablement, ce qui va se passer, c'est de la coproduction, d'une manière ou d'une autre, un peu comme ce qui s'est passé avec Sugar ou des choses comme ça. Et pour que la coproduction puisse se passer, il faut qu'en face, il y ait les moyens pour s'aligner. Et c'est là qu'on va sentir notre douleur en Suisse romande. Parce qu'avec un fonds roman qui stagne depuis 10 ans à 10 millions, qui est en dessous du seul fonds zurichois, sans compter de l'argent privé qu'il y a à Zurich, sans compter le fonds bernois, le fonds balois, le reste de l'argent qu'il y a en Suisse alémanique, je pense qu'il n'y aura pas en Suisse romande de quoi mettre en face de cet argent l'argent nécessaire à attirer cet argent. C'est quand même très technique, la production ou la coproduction. Ouais, c'est pas aussi technique que ça. Il suffit de comprendre que s'il n'y a pas une télé en face, s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à mettre la partie en face, ben tu vas pas y arriver. Et puis en Suisse allemande, ce sera très très différent. Quand Joker a été fait, ben la SRF et puis donc la télé suisse allemande et Sky se sont mis ensemble et ça a marché. Et là, c'est ça qui est un peu tragique, c'est que du point de vue des romans, c'est que personne n'a le courage d'expliquer que puisque Netflix Suisse est à Berlin, quand il faudra appeler Netflix pour avoir de l'argent, quand t'es de Lausanne ou de Genève, bon, bah, tu vas appeler Berlin qui vont te dire sorry I can't speak French, please can you call Paris. Tu vas appeler Paris, puis Paris va dire on n'est pas responsable, faut appeler Berlin. C'est comme ça que ça se passe. Et pour qu'un Suisse réussisse à aller à Paris trouver l'argent, il faudra qu'il ait beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que Netflix Paris, eux, je suis pas un spécialiste de la production comme toi, mais je peux supposer que sur la table, ils ont leurs 40 millions annuels. Et puis, il y a un projet de Omar Sy, leur nouvel star producteur, de 2-3 autres grosses stars comme ça. D'un coup, il y a un Suisse qui arrive avec, je sais pas moi, 1 million sur la table. Eux, ils font des séries à 22 millions. Et puis, ben, dans le paquet de gros projets qu'il y a, avec comme superstar, je sais pas moi, Bastian Baker, ben, ça va être très, très difficile de passer, quoi. Je pense, ouais, ça va être une des difficultés. Et puis, bon, je sais jamais dans quel ordre on met les lettres. Je sais que c'est très mal. C'est scandaleux. Radio, télévision, enfin, bref. À la volonté, en tout cas, verbalisé de coproduire avec des plateformes et tout, mais en effet, comme tu le dis, il y a une question de moyens, parce que aujourd'hui, les séries RTS, si tout va bien, sont produites à hauteur de 5 millions. Et puis, comme tu le dis, une série bon marché Netflix comme Squid Game, c'est 18 millions la production. Enfin, je veux dire, on a des écarts types, et puis on aura. En série, comme on avait en unitaire téléfilm ou comme on a en cinéma, on aura la comparaison, comme tu le dis, avec le cast français, avec la visibilité, etc. Et puis, on n'a pas non plus des talents de scénaristes à sortir de notre botte en veux-tu, en voilà, en disant des bonnes histoires, on sait les écrire, on en a, ça va faire la différence. Et surtout, comme tu dis, bah, rien garantit qu'il y ait une péréquation ou une quelconque clé qui fait qu'il y a une certaine répartition, parce qu'il n'y a aucun intérêt de la part des plateformes de se préoccuper de la répartition interne suisse. Ça ne peut pas intéresser une plateforme pour des raisons politiques ou des raisons quelconques. Et puis s'il y a une clé qui est introduite, parce que la Confédération gobercée, parce que sous la pression de vouloir rendre au peuple, enfin de rester fidèle au vote, eh ben, s'il essaie de l'introduire dans l'ordonnance d'application à l'OFC, et qu'on se finit par, j'en sais rien, moi j'ai pas lu la loi dans le détail, mais par des commissions
comme ça existe déjà à l'OFC, donc des sortes de jurys qui jugent les projets sur leur qualité et qui vont eux jouer ce rôle de répartisseur linguistique. Alors évidemment, ils vont commencer à choisir des projets eux-mêmes contre Netflix. Et évidemment que Netflix, ben, ça, la réaction sera très clairement de dire bon ben, faites ce que vous voulez avec votre argent. Et soit ils donneront très très peu d'argent par film et ils enterreront les films dans leur plateforme tout au fond, soit ils diront bon ben, on préfère payer l'impôt. Je crois que la volonté ou l'espoir au niveau politique, c'est que l'office n'ait rien à gérer, que tout soit géré directement en production, coproduction et achat. Ça va se passer comme ça, je sais pas. T'as sans doute raison. Alors c'est là où quand Monsieur Berset s'exprime, ben soit il est naïf, soit il est machiavélique, puisque lui il disait le soir sur forum, le soir de la votation, aucun souci, vous verrez, les inquiétudes, les critiques qui disent que cette loi enverra l'argent en Suisse allemande et que les romans n'enverront pas un copec, eh bien sont infondées. Et ce que tu dis, ça se vérifie, ben signifiera inévitablement que tout l'argent ira, enfin une très très grande partie de l'argent ira avant très longtemps en Suisse allemande. Par rapport à ça, tu vois, on se retrouve un peu éternellement devant la même réalité. C'est-à-dire, dans un département comme le département de l'Intérieur, l'Office fédéral de la culture est un tout petit office avec un peu de visibilité, peu d'argent, peu de puissance, potentiellement beaucoup d'emmerdements. Donc, se pose la question de la remontée des informations auprès du ministre. C'est-à-dire, qui c'est qui lui explique en détail quoi, et qui lui explique vraiment toute une grande partie des arguments de la part des défenseurs de la loi lors de la campagne, était de dire, nous sommes capables, nos séries ont déjà du succès, regardez Quartier des Banques, regardez Hors Saison, nous sommes tout à fait valables, Madame Amoudru est la reine des cruches et des malhonnêtes en disant, on veut taxer le succès pour en faire bénéficier l'échec, c'est pas vrai. Donc, je sais pas jusqu'où M. Berset est informé de la réalité du marché et de comment le marché est organisé, mais je suis pas loin de penser que les informations remontent d'une façon partielle et que c'est en partie de bonne foi qui se dit ben, on va prendre au sérieux les arguments qu'on a nous-mêmes défendus, ça va faire de la diversité, parce que c'est les plateformes qui vont choisir, donc elles vont produire d'autres choses et il n'y aura pas de problème. Hein? Moi je dis pourquoi pas, mais en effet, je reviens à ce que je te disais au début, le problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent à mettre en face en Suisse romande. Donc je pense que le pas numéro un que les professionnels francophones devraient faire, c'est dire on a une année pour doubler la dotation du Cinéforum. Sans ça, on est mort. Parce que déjà, je pense qu'il faut qu'on écrive la deuxième partie de notre article. De quel article tu parles? Rappelons-le aux foules qui nous écoutent. L'article qu'on a écrit dans le temps, c'était quand, je ne sais plus. Il y a quelques mois maintenant. Il y a quelques mois sur qu'est-ce qu'il devait faire la Suisse romande, qu'est-ce qu'il devait faire le milieu roman pour défendre ses intérêts dans ce combat. C'est assez curieux. Je te vois d'un côté, je parle avec toi, puis de l'autre côté, je vois ton autre toi qui a 5 minutes de retard. Laisse tomber. Pas mal. Mais quelque part aujourd'hui, effectivement, c'est la vraie question, c'est ça, c'est vraiment aller au Cinéforum et puis essayer malgré tout, même si ça semble un peu utopique, de chercher des partenaires, des acteurs qui pourraient intervenir. Non, mais c'est pas utopique du tout, Olivier, c'est pas utopique du tout, c'est une question aujourd'hui, politique. Il faut aller chercher en France, hein, ou bien bien sûr il faut aller à la RTS, mais sinon aujourd'hui la seule solution pour qu'il se passe des choses, c'est d'aller c'est intervenir en politique, aller parler. Ce qui est étrange quand même en Suisse romande, étrange et normal, mais c'est que contrairement à la Suisse allemande, par exemple, Canal Plus est complètement absent du débat. Pourtant, Canal Plus, ils ont une filiale, enfin une filiale, c'est pas une filiale, c'est une succursale à Lausanne. Et ils sont, à part ça, très actifs sur le terreau roman. Ils ont aujourd'hui une application dans laquelle, c'est la seule application qui permet aujourd'hui, MyCanal, de regarder la télé
sans avoir de box d'un opérateur télécom, sans être broché au câble et sans devoir payer les pubs de Zatou. Il y a la totalité, il y a toutes les chaînes qui sont dessus, et en particulier les chaînes suisses. Donc ils sont vraiment présents, ils ont pas mal de droits dans tous les coins. Quelque part, c'est à eux qu'il faut aller parler. Oui, mais bien sûr. Mais je pense que par rapport à ce qui a été voté et l'argent qui va être injecté dans le système, je reviens à ce que je disais, indépendamment d'avec qui tu travailles, combien d'argent tu arrives à amener est un peu central pour être un peu attrayant. Pour pouvoir amener suffisamment d'argent pour être attrayant, il faut l'ensemble des partenaires historiques, c'est-à-dire il faut la télévision, il faut des fonds publics et il faut un partenaire étranger. Et le problème des fonds publics romands, c'est qu'ils ont été mutualisés dans un bel outil qui s'appelle le Cinéforum, mais que le Cinéforum va fêter au mois de juin ses 10 ans, à Plateforme 10, un tout petit endroit à Lausanne, un tout petit peu pas terminé, avec des chantiers, des passages piétons au milieu de... À quelle date ? Hein ? Je crois que c'est le 9 juin, je vais prendre hein ? c'est à Plateforme 10 qu'il y aura le Raoult des 10 ans du Cinéforum. Donc, en 10 ans, la dotation du Cinéforum n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'elle est de 10 millions. Pendant ces 10 ans, les films sont devenus plus chers. Il y a de nouveaux entrants qui veulent en faire. Il y a plus de monde qui ont un peu de talent, comme Ellie Grapp ou des choses comme ça. Tous les vieux sont encore là. Et on a ouvert de nouveaux guichets. Pour, par exemple, les choses créatives que fait Gilles Jobin, la recherche, la VR. Tout ça avec les 10 millions. Donc ça n'a pas bougé. Donc il n'y a pas assez d'argent, même dans le système actuel, avant de se dire qu'est-ce qu'on va mettre en face de ces nouvelles séries. Prenons un cas très simple. Quelqu'un arrive à se faire produire une série par Canal à 5 millions. Hein, en disant, Canal dit, ok, ça nous intéresse, on met 2 millions, il faut aller chercher 3 millions. Ce n'est pas une série initiée par la RTS, donc peut-être ils mettront un petit quelque chose. Tu devras amener de l'argent public en partie. Comme quand tu fais une série aujourd'hui, tu peux la bonifier avec de l'argent public. Mais aujourd'hui déjà, on n'a pas assez d'argent avec ces 10 millions pour bonifier d'une façon efficace l'argent du système traditionnel. C'est-à-dire quand l'Office fédéral de la culture met 1 million sur un film, pour que l'argent soit débloqué, il faut mettre un autre million en face. Sans ça, ça ne répond pas aux règles de la Confédération où la subvention ne peut pas dépasser 50% du montant total de l'action. Donc, tu reçois 1 million de bernes, tu vas à la RTS, tu fais ton film, on te donne 350 000 francs en moyenne. Après, tu vas au Cinéforum, on va te donner peut-être 400 000, 500 000 francs, puis il faut trouver le reste. Déjà aujourd'hui, tu as extrêmement de peine à monter d'une façon crédible ton financement parce que les sommes ont tendance à diminuer, parce qu'on veut aider le plus de monde possible. Si tu, sur cette réalité, tu réinjectes, mettons, 8 millions par année, le tiers de ce qui va être injecté, et que tu dois le bonifier d'une façon ou d'une autre, tu ne sais pas où part de l'argent. Cet argent n'existe pas. Il faut revenir, peut-être que pour les 10 ans du Cinéforum, ce qu'il faudra faire à Plateforme 10, c'est dire qu'il faut revenir au système Cruchet de l'époque et dire que quand Netflix ou Canal+ met 2 millions, ben, tu mets 80% en Cinéforum en automatique et comme ça, on retrouvera un système vertueux. Ben, tu sais, c'est bien que t'en parles, parce que la semaine prochaine, c'est Jean-Michel Cruchet qui sera l'invité. Puis on va faire l'historique avec Jean-Michel, je pense que ça va durer la nuit. On va faire l'historique de tous les systèmes qui ont été mis en place. Mais en effet, ce que tu pointes est très intéressant, parce que le système, en grande partie inventé par Jean-Michel Cruchet, qui viendra le réexpliquer, qui était à l'époque le Fonds Regio, qui est devenu Cinéforum, était basé sur le principe, en face d'un Front National, il faut mettre un Fonds Régional et laisser au prescripteur national le soin de choisir. On ne va pas réinventer des commissions sélectives en région. Et puis nous, en région, dans ce qu'on choisit, on va privilégier la relève. Et puis on va faire des films différents pour essayer d'élargir aussi un peu l'offre, mais on ne va pas se mettre à faire la même chose. Or, on aura l'occasion d'en parler. Ce système a été immédiatement démantelé quand il a été mis en place. Où tout à coup, la région, sous la direction de Robert Bonner, qui avait pris la direction du Cinéforum, s'est dit non, il faut refaire des commissions et puis aussi donner du sélectif pour un tout petit peu corriger les erreurs de Berne. Et le fonds sélectif a pris de plus en plus d'importance
L'aide automatique, proportionnellement, a baissé de plus en plus. On en est à 60 centimes, même pas garantie, je crois, à peu près, aujourd'hui. Et puis, on a donc un système où, en fait, tous les films se font avec pas assez d'argent. Parce que ceux qui n'ont pas l'aide sélective romande sont pas assez bonifiés. Et puis, souvent, l'aide sélective est donnée parce qu'il n'y a pas eu Berne, ou trop souvent. Ouais. Donc, en effet, le système a été un peu dévoyé. Mais, indépendamment de ces choses très techniques, l'émission de la semaine prochaine sera hyper technique. Pour revenir à la situation de base, après l'acceptation de la nouvelle loi sur le cinéma, pour moi, tout simplement, on a une Suisse romande, en grande partie, si on prend les villes, Genève, Lausanne, les poids lourds de la production, où le peuple défend la nouvelle loi sur du cinéma à 75%. On a donc un assez fort signal politique, parce que quand même, les arguments des opposants étaient très articulés autour... Le cinéma suisse est nul, c'est n'importe quoi, il n'y en a pas besoin. Cette acceptation romande forte du cinéma auquel, à mon grand étonnement, le public roman s'identifie beaucoup, est quand même un signal politique assez fort. Et je pense qu'entre ce signal politique et l'explication technique qu'en face de ces millions, il faut mettre d'autres millions, sinon ils ne viendront pas ici, et un contexte, un momentum, comme disent les commentateurs sportifs, un momentum excellent pour dire, ok, il faut se donner une année pour doubler la dotation publique du Cinéforum. On écrit l'article numéro 2 alors. Mais écoute, très volontiers. Et je pense... On va faire ça. Il y avait un article la semaine passée, pardon de t'interrompre, il y avait un article dans Tagesanzeiger, juste après la votation, qui disait, qui analysait le vote, qui disait, c'est étonnant comme ces romans sont pour, alors qu'ici en Suisse allemande, alors qu'on va prendre tout l'argent, personne n'a voté pour. D'une part, et d'autre part, c'est doublement étonnant parce que les Suisses-Allemands vont voir en partie leurs films, tandis que les Romains ne vont pas voir leurs films. C'est un fait, ce n'est pas des élucubrations. Je veux dire, on a en 2020 et 2021 chez Box Productions produit les deux films qui ont gagné le prix du cinéma suisse, Ceux qui travaillent d'Antoine Rusbach et puis Le milieu de l'horizon de Delphine Le Risset. Ils ont fait respectivement ces films 8 000 et 12 000 spectateurs. Par rapport à un Zwingli qui en fait quelques centaines de milliers, par rapport à régulièrement des films suisse-allemands, ou même Die Göttliche Ordnung, pas seulement des grosses comédies soi-disant cracra suisse-allemande, non, des films un peu différents. Je veux dire, donc il y a ce paradoxe, le public suisse-allemandique va voir ces films, il y a la langue, il y a le dialecte et tout, c'est eux qui vont bénéficier et ils n'en veulent pas de cet argent. Alors qu'en Suisse romande, les gens vont pas vraiment voir les films, mais ils aiment leur cinéma quelque part. C'est quand même très bizarre, quoi. Bon, je pense que les professionnels romands ont fait une meilleure campagne que les professionnels suisse-allemands aussi. C'est possible. Ah bah oui. Il y a un autre truc. Ouais, il y a peut-être de ça. Puis après, je pense qu'il y a une vraie différence de perception et par rapport à la subvention, par rapport à l'intervention d'État, etc. Il y a peut-être aussi une différence par rapport au besoin d'affirmation d'identité nationale. Qui est vécu de manière plus problématique ici, qui a besoin d'être plus réaffirmé en permanence. Ça, c'est un autre débat. Toi et moi, on n'est heureusement pas experts pour ça. Pour ça, il faudra inviter probablement, je ne sais pas moi, Lionel Beyer. Mais ok, chiche, on va écrire cet article alors. Mais très volontiers, parce que je pense qu'il y a vraiment un article à écrire, parce qu'il y a tous les arguments pour l'écrire, dire voilà ce qu'il faut faire. Et je te le dis déjà, hein, moi j'ai commencé à en parler, je dis mais c'est assez simple. Il faut faire un coup politique. Il faut déposer dans chaque canton à la même date une initiative parlementaire interpartie. Et puis faire en disant, on a un organe intercantonal qui s'appelle le Cinéforum, qui est unique en Suisse parce qu'il est décisionnel au niveau de l'octroi des subventions et il y a une délégation complète à une fondation d'utilité publique. Donc c'est un organe de fédération qui a été possible grâce à ton expérience, l'expérience romande de la loterie romande. Tu vois, je veux dire, historiquement les gens ne savent pas, mais les loteries, c'est des concessions données par les cantons. Et dès l'autorisation des jeux d'argent, tous les cantons romands se sont dit, on se met ensemble pour faire la loterie romande. On se fédère et on fait des règles communes. On ne fait pas comme en Suisse allemande où chaque loterie est cantonale encore. Il y a des la Swisslos, ça fonctionne pas de la même manière. Donc oui, elle s'appelle la Swisslos. Ça nous rappelle cette étrange différence entre sur le vote Netflix entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Ouais, ouais.
Mais tu vois, il y a des racines historiques, des habitudes, des habitudes où les gens voient que ça fonctionne, parce que tu vois, la loterie, c'est du sport, de la culture et du social. Donc ça a énervé depuis 40 ans un tissu où à la fin, quelque part, tout le monde a une fois ou l'autre dans sa vie, quoi que tu fasses, bénéficié de la loterie à travers un minibus pour personnes en situation de handicap, une subvention pour du théâtre ou une subvention pour un club junior. Et donc les gens voient que ça fonctionne. Donc je pense que tout ça inscrit un possible dans la mutualisation des moyens. Donc on a cet outil qui a été possible grâce à Jean-Michel Cruchet, son travail à travers Regio qui est devenu le Cinéforum. On a déjà cet outil de mutualisation. Donc je pense qu'il faut tactiquement maintenant, pour doubler cette subvention, trouver dans chaque parlement cantonal un membre du centre, un membre de droite et un membre de gauche pour faire une initiative commune en disant on double et on double tous ensemble. Je pense que le simple fait de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que si tu passes par les services des affaires culturelles, tu n'as aucune chance. Si tu passes par les départements et par les ministres, tu n'as aucune chance. En revanche, si tu passes par les parlements et que tu as une décision sous forme de motion ou d'initiative parlementaire, donc de loi, tu as une chance parce que ça devient, enfin tu as plus qu'une chance, c'est une possibilité d'y arriver. Et lors de la fondation du Cinéforum, on avait fait ce travail. Le Cinéforum ou le canton de Vaud, par exemple, avait doublé son aide au cinéma, c'est sur pression du parlement. Ce n'est pas du tout sur pression du service des affaires culturelles qui, entre nous soit dit, n'est pas intéressé par le cinéma parce que ce n'est pas assez proche. Parce que tu ne croises pas les gens qui font du cinéma. C'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui n'est pas incarné. Ce n'est pas comme les gens qui font du théâtre ou de la danse que tu croises au marché en achetant ton pain au levain. Donc ça, c'est aussi bête que ça, finalement. Tu vas dormir ou tu tousses? Il y a quelqu'un qui s'impatiente là, à côté. Non, pourquoi? Vous allez au lit? Bon, je rappelle quand même que vous inaugurez Plateforme 10 le 15 juin, c'est ça? Parce que tu travailles là-bas maintenant. Le 15 juin, oui. 15 juin, et c'est public, c'est ouvert à tout le monde, l'inauguration. Le 18-19, c'est le week-end d'ouverture, ouais. Alors, et là, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux nous teaser un petit peu? Vous avez une bonne raison de venir te voir le 18-19? Qu'est-ce qu'il y aura? Un petit scoop, peut-être? Un petit scoop? Allez, un petit scoop. Ouais. Non, mais je crois que c'est vraiment le seul... Bah, d'abord, c'est un endroit assez... assez unique et puis assez spécial à Lausanne. C'est quelque chose de complètement nouveau, bâti d'un coup, comme ça, c'est un peu pharaonique. De bâtiments hyper modernes, bâtis au même endroit. C'est un truc pas très suisse, quelque part. À côté de la gare, 25 000 mètres carrés. C'est un quartier qui sort de rien. On pourrait presque se croire en France, ou alors à Zurich. Et, ouais, c'est une tentative de, très concrètement, mettre des musées, hein, donc c'est des grandes institutions patrimoniales, comme on dit, à côté de une grande place où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand on passe aujourd'hui à Plateforme 10, les gens bien font du skate. Il y a des grands blocs de béton créés par des designers qui font comme ça, c'est des disques de béton de 10 mètres de diamètre. Et depuis qu'il fait beau, tout l'espace a été ouvert, depuis deux semaines, les gens font la bronzette l'après-midi sur les grands disques, les grands discoboles de Plateforme 10. C'est un peu Plateforme 10 Playa. Mais il y a le burkini autorisé ou bien? C'est comme à Grenoble. Vous êtes de ouais. Gauche, vous êtes vert, vous êtes comment? Ah, nous, on est vaudois. Vous êtes vaudois. Non, mais j'aurais une seule question, mais je ne la poserai pas à toi. On avait eu Patrick Guillière, le directeur de Plateforme 10, qui était venu juste après sa nomination. Je pense qu'on va peut-être le réinviter l'année prochaine, faire un petit bilan d'étape une année après son arrivée pour voir où ça a été. Moi, j'ai toujours, encore et toujours, et je l'aurai toujours, cette même question. Pourquoi diable n'y a-t-il pas l'art brut sur le site? Je ne comprends pas. Parce que moi, de mon point de vue, on a un petit musée d'art déco régional. On a un musée de la photo qui est devenu quelque chose momentanément d'un peu anecdotique, mais qui peut se reprendre. On a quelque chose de très un peu bizarre qui s'appelle le musée des Beaux-Arts, qui fait un peu vieillot et tout. Mais on a la collection de l'art brut à Lausanne. Et ça, c'est unique et c'est puissant. On a deux choses puissantes à Lausanne au niveau de la Tresse, c'est le musée olympique et l'art brut. Pourquoi ce n'est pas au moins l'art brut sur la place, le site, tu sais? Ou tu, toi, t'es pas ton problème, quoi? C'est pas mon problème, c'est que je
je n'étais pas là et que le fait d'avoir la photo, le design et puis les beaux-arts côte à côte, ce qu'il y aura aujourd'hui, je pense que ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment contemporain. Et au fond, c'est vraiment original, c'est ce qui surprend le plus souvent. C'est aussi ce qui est le plus, c'est là qu'il y a le challenge le plus fort. Parce qu'il y a, quelque part, il n'y a rien qui sépare autant un public que les beaux-arts au sens strict et le design. Hein, si je devais en croire les études d'opinion, je vais dire, bon, ben, il y a un mix qui ne va pas marcher. Parce que c'est deux publics complètement différents. C'est ce qui fait que c'est, en fait, je pense, vraiment intéressant. Mais dans les gens qui vont au musée, tu n'as pas l'impression que les gens, quand ils vont à Amsterdam ou quand ils vont à Paris, les gens, ils font le Quai d'Orsay, Beaubourg, le musée du design à Amsterdam et puis le musée. Parce qu'il y a des gens qui vont au musée et puis des gens qui ne vont pas au musée. Et un problème, c'est que il n'y a pas grand monde qui va au musée à part les gens qui aiment l'art légitime, c'est-à-dire un percentile de 7 à 10% de la population, si tu enlèves les scolaires et le public contraint. Mais là, les études d'opinion par rapport aux pratiques, j'ai l'impression que c'est assez logique de regrouper sur un lieu, parce que si tu prends le quartier des musées à Vienne ou le quartier l'île des musées à Berlin, les gens, pour le consommateur culturel, ceux qui font du tourisme culturel vont un peu tout voir, non? De toute manière, c'est pas si partagé que ça, les publics. Non, je me trompe? Ouais, c'est vrai pour un public de touristes, je pense. Possible pour un public de touristes, c'est souvent un des publics essentiels des musées. C'est pas forcément là qu'il y a les paris les plus intéressants, les défis les plus intéressants à relever. Les vrais défis intéressants à relever, c'est sur entre guillemets les vrais publics. Effectivement, comme tu l'as dit, les jeunes, les adolescents, les publics, comme on dit, éloignés, les publics qui sont pas les académiciens, qui sont des classes populaires, par exemple. Et puis là, ben, c'est intéressant d'avoir quelque chose comme le design. Parce que ça, comme la photo, ça touche la vie, ça peut concerner la vie tous les jours. Est-ce que ça va marcher? Ben, c'est pas garanti. Mais il y a une matière pour réussir à aller, en tout cas, au moins, essayer. Le risque semble limité parce que ça va pas empêcher les gens qui venaient déjà de continuer à venir. Peut même avoir un petit pari avec une politique tarifaire unique, que quelqu'un qui vient pour une expo photo se dise tant que je suis là puis que c'est le même prix, je vais aussi voir ce qu'il y a à côté. Puis les autres risquent de pas venir, mais tu risques pas de perdre des gens. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas un grand risque de ce point de vue-là. Il n'y a pas un grand risque commercial parce qu'on n'est pas dans ce genre de logique. On n'est pas là pour. C'est pas le chiffre d'affaires qui décide. Il y a un risque qui est lié à l'ambition actuelle du projet, qui est de dire c'est ça qu'on veut faire, parce qu'il y a une vraie ambition en termes de politique culturelle, d'essayer non pas de casser quelque chose ou bien de combler des fossés, mais de créer quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Ben ça, c'est pas tellement. Je sais pas ce que tu en penses, hein. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour faire un quelconque bilan, mais en termes de voilà notre ambition. C'est pas très lisible pour le grand public. Tu vois, quel est le vrai enjeu? Quel est le challenge? À quelle aune Patrick Guiguerre dit un peu comme quand Pochettino arrive au Paris Saint-Germain en milieu de saison, il dit faut pas me juger sur la première saison, faut me juger sur la deuxième. Tu vois, ou bien Sampaoli à Marseille. Tu vois, ces entraîneurs qui sont arrivés, ils disent voilà, parce que en deuxième saison, ça sera moi et je veux être en Champions League sans avoir de match de barrage et tout. Je trouve que l'ambition de plateforme 10, elle est peu verbalisée, peu audible. Non, voilà ce qu'on va essayer de faire. Je trouve que c'est un peu abstrait dans les papiers que je lis ou dans moi, comme habitant de Lausanne, qu'est-ce que j'en attends, je sais pas trop, quoi. C'est un peu, voilà, après c'est peut-être très clair pour vous, et puis il faut avancer les choses les unes après les autres, j'en sais rien, quoi, tu vois. Je laisserai poser la question à Patrick Guiguerre quand il viendra te voir dans quelques mois. Mais tout à fait. Mais voilà, je veux dire, c'est. Voilà. Donc, 18-19 juin, j'ai vu passer que vous avez fait un billet unique à 15 francs où on peut tout voir. J'ai pas très bien compris. Il est valable plusieurs mois et transmissible, c'est ça? Ouais. On peut. Moi, déjà l'acheter. Dormir, Thierry. Hein? Ouais, on peut déjà l'acheter? Ouais. Donc, 15 francs, transmissible, valable 3 mois. Ouais. C'est pas mal. Tu vas aller dormir, mais pourquoi? C'est tôt. Il est 10h30. Tu vas te coucher. Moi, je bosse à 4h du mat, mon gars. Mais comment ça se fait? Ah, parce que moi, je travaille. 4h du mat. Mais personne ne travaille à 4h du matin. Si. Bon, allez.
je t'autorise à m'appeler quand tu te lèves. D'accord ? Comme ça, je suis solidaire avec toi. Il y a encore plein de choses. On aurait dû parler encore plein de choses, hein, je veux dire, de HBO. Alors, on peut se revoir avec Cruchet la semaine prochaine, si tu veux. D'accord, alors on refait la semaine prochaine avec Cruchet, parce que là, ça va être très technique, ça va te faire marrer, je pense. On va faire un peu l'historique. Okay. Pack de l'audiovisuel, succès cinéma. On va tout faire. Ça va être super. On va y pas, non. Non. Tout, bah oui. Bido, moi je veux faire. Hein? Anecdote des rencontres bilatérales Cruchet Bido. J'étais là, donc je peux témoigner. Ouais, tu pourras témoigner. Non, non, mais Verlin, succès cinéma, quand il a sorti de l'argent pour le mettre dans une fondation, tu peux plus faire ça aujourd'hui. Aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Faire... Ouais. Et c'est vrai. Ça, puis plein de choses. Plein de trucs. Grounding, c'est machin. Ouais, ouais, absolument. Et puis, bienvenue chez les Suisses. Et puis après. Bienvenue en Suisse, pardon. Comment ça s'appelle le film là aux États-Unis. De ces films avec ce jeune qui avait fait 18 mètres. Bref, on reparlera un peu de tout ça et des grandes. Clean out. Une fois, on fera l'histoire secrète du cinéma suisse. Ciao, bonsoir. Merci beaucoup, hein. À bientôt. Et puis alors, comment on se voit la semaine prochaine? Je te dis pas déjà bonne ouverture parce qu'on se reverra entre temps. Merci Olivier. Et bonsoir à Zurich, hein. Bonsoir à Annette et à tout le monde, hein. Ciao, ciao. Voilà, cette émission est chaotique, comme d'habitude, mais enfin, ça a été, c'était pas trop... Hein, parfait. Ben voilà, on va finir ce chapitre quand même, hein, parce qu'on est en plein milieu dans le chapitre. On va finir ce chapitre, et puis on aura doublé les pages, et puis on gardera la suite pour une autre fois. Qu'est-ce que t'en penses Vas-y, puis on regarde ton... Ouais. Je me rappelle aussi des jours parfois excitants, où je doublais pour George Walsh, Jack Mullen, Roy Stewart dans Her Night of Nights, Sa Nuit des Nuits, The Radio King, Le Roi de la Radio, The Sunken Trail, La Piste Creuse, et d'autres films d'un semblable intérêt, et semblablement ensevelis dans les limbes du temps. Dans les films d'aventure, nous étions souvent en location, c'était alors des périodes assez agréables, une existence différente dans des endroits comme le désert ou le bord de l'océan. Dans ces circonstances pittoresques et provisoires, les vedettes, les autres acteurs et les figurants vivaient côte à côte dans une familiarité inconnue à Hollywood, affranchie en grande partie du chiquet et du snobisme actuel. C'est quand même très contemporain, ça n'a pas changé du tout. Tu vas faire un film au fond de la Bulgarie avec des stars, au bout de 2 jours ça va. Tu fais à Paris, ça va jamais. Il faut toujours des chauffeurs et des choses comme ça. Ça restait. Hein. À part cela, je dois dire que leur société ne m'inspirait pas outre mesure. La conversation était presque toujours plaisanterie, commérage et autres fadaises. Il a changé le mot imbécilité par fadaise à la main sur le tapuscrit. Au studio, comme les autres acteurs, j'avais une loge où je me changeais et me grimais selon les besoins du travail. Des camarades m'avaient appris à peu près comment on se grime pour le cinéma. Il y avait un long corridor à ciel ouvert où s'alignaient les loges des acteurs plus ou moins en ordre décroissant d'importance. À un bout était celle des étoiles, Priscilla Dean, Lon Chaney, Frank Mayo, et il y avait l'autre bout où était la mienne. C'était le bout pauvre, celui des petites figures. J'avais là comme voisins 2 autres stuntmen et plusieurs petits acteurs. Entre nous et les stars se trouvaient les loges des rôles moyens. Des leading ladies, des ingénues, parmi lesquelles je me souviens particulièrement de Margaret Livingstone, Esther Ralston et Laura Laplante, ayant travaillé à leur côté dans quelques films. Laura Laplante était très bien. Un corps mince, un joli visage, un rire frais et jeune. Je rappelle que ce texte a été écrit pré-MeToo, dans les années 40. Je précise. Nous nous regardions parfois en souriant. Elle semblait me trouver sympathique et me traitait en camarade, ce dont je lui étais reconnaissant. Je déjeunais parfois au réfectoire à côté d'elle, mais mon amitié était trop déférente pour oser aller plus loin. Elle ne m'y encourageait d'ailleurs point. Chapitre suivant. On va faire le chapitre suivant. Hein ? Un accident de moto. Mais est-ce que je comptais vraiment avoir une chance de réussir à Hollywood ? Au fond de moi-même, est-ce que je le désirais vraiment ? Cette vie, au fond, était-elle ma vie ? Je me sentais parfois aussi perdu qu'un chien égaré par mes gardes dans un jeu de bowling. Même parmi ceux de mon métier, j'étais perdu étranger. Surtout, peut-être parmi eux. Oh, je voyais bien la beauté de certains films, de certains acteurs. Je voyais bien les merveilleuses créations d'un Griffith, d'un William Hart, d'un Douglas Fairbanks et par-dessus tout de Chaplin. Au-dessus de cette mare de médiocrité qu'était ma vie de tous les jours, je les voyais planer.
Je voyais planer les visages émouvants de Chaplin, de William Hurt, de Sisu Hayakawa, qui, les premiers, avaient compris la valeur dramatique de la sobriété du jeu, de l'immobilité presque totale des muscles de la face. Cette simplicité dans le jeu, qui fut aussi celle de Charles Ray, c'était l'esprit même des débuts du cinéma américain, et c'était ce qui m'attachait à lui, autant et plus que le sourire éclatant de Douglas. Je voyais que le cinéma était non seulement laideur, bêtise, péché contre l'esprit, mais qu'il pouvait être aussi rêve, pureté, grandeur, et pour cela, je l'aimais. C'est ce que je me disais, c'est ce que je voyais, qu'il y avait là, au-dessus de moi, tout près, ces artistes, cette beauté. Mais là encore, je me sentais perdu. Ils avaient certainement leur beauté, leur grandeur, mais je sentais maintenant qu'il y avait aussi d'autres beautés, une autre espèce de grandeur, et que peut-être je m'étais fourvoyé parmi eux. À cause de quoi je me sentais perdu. Perdu et inférieur. Cependant, la vie continue, et elle a souvent du bon. Au cours d'une interminable semaine de figuration dans Notre-Dame de Paris, je me suis lié avec un type qui sait jouer aux échecs, chose assez rare par ici. C'est un jeune Italien qui est tantôt étudiant, tantôt figurant, de parents russes, un vrai bohème, rafraîchissant. Il s'appelle Siméon. « Pour être heureux, disait-il, il suffit de désirer peu. Ma philosophie n'est peut-être pas bonne pour tous, mais tout ce que je désire, moi, c'est du soleil. L'odeur des feuilles et de la terre, assez à manger, une femme que j'aime et qui m'aime. Et tout cela, je l'ai sans me tuer au travail. Quoique de Rome, je suis comme les Napolitains, qui n'ont pas dans leur vocabulaire le mot « travail ». Le travail, ils l'appellent « fatigue ». Et ils ont raison. Je ne veux pas me fatiguer, je veux m'amuser. L'important, c'est d'être en règle avec sa conscience et par-dessus tout, de ne pas s'ennuyer. C'était un artiste de la vie, un old Peter en plus jeune et plus frivole. Il habitait un apartment house sur Sunset Boulevard, haute de 2 étages et entourée d'une véranda à rocking chair, comme beaucoup d'autres à Hollywood, habitée surtout par des artistes, acteurs et musiciens. Une jeune américaine qui est sa compagne s'occupe de sculpture et a étudié chez Bourdel à Paris. Les portes des appartements restent souvent ouvertes et les locataires vont et viennent dans les corridors, se rendent visite, tout le monde se connaît. Des effluves culinaires, des airs de musique flottent dans l'air du soir, il n'y avait pas encore la radio, Dieu merci. Des gens se prélassent sur la véranda ainsi que divers chiens et chats, ou même les 2 singes d'un dresseur d'animaux. Les Siméons m'invitaient quelquefois à dîner. J'apportais le vin ou les liqueurs, qu'il n'était pas très difficile de se procurer malgré la prohibition. C'était la coutume. Quelqu'un d'autre apportait le dessert, le bistec ou le poulet rôti. On mangeait, on buvait, on baignait dans l'amitié et le manque de cérémonie. On se sentait bien. On parlait de tout à cette table, c'était agréable pour changer. Un jeune homme à ma gauche, qui parle bien et se dit poète, raconte comment il a longtemps rêvé sur les philosophies indiennes et la magie des vieux occultistes. Ces choses-là lui paraissent bien plus passionnantes que n'importe quelle science moderne et peut-être plus vraies. J'abonde en son sens, il y a des abîmes d'existence et de réalité en dehors du domaine de la science, nonobstant. Est-ce que la magie des vieux occultistes, lui dis-je, n'est pas en train de devenir réalité, grâce par exemple aux travaux d'Edison, magicien de l'électricité ? Nous vivons dans un âge de miracles et les hommes qui les font ressemblent de plus en plus à des dieux. Matériellement peut-être, dit le poète, mais certainement pas spirituellement. Il s'ensuit une discussion sur la matière et l'esprit et les plus éclairés concluent naturellement qu'au fond, c'en est tout un. C'est tout un. Car on sait que ce qu'on appelle la matière brute, c'est la matière inanimée, n'est en réalité rien d'autre qu'énergie. L'énergie n'est donc pas seulement le support du mouvement, elle est le mouvement lui-même. Mais l'énergie, à son tour, n'est qu'un mot. Pourquoi pas alors esprit ? Parbleu, s'écrie Siméon, et pourquoi pas amour ? Levant son verre, il dit « À la santé de l'esprit, à la santé de l'amour ». On aimait Siméon parce qu'il était gai, vivant, spontané. Il était beau et avait quelque chose de printanier et de jaillissant. On a ouvert une nouvelle bouteille, on a bu à notre esprit à tous, qui avions l'esprit de voir que tout était sorti esprit. Sauf un sceptique dans un coin, un monsieur d'un certain âge à barbe qui dit « En fait d'esprit, je crois que nous avons fait preuve jusqu'ici que d'esprit de vin. » On les laisse dire, car on ne peut discuter couleur avec un aveugle. Mais on trinque avec lui, à l'esprit de vin, et tout le monde rit. Après le dîner, Siméon prend sa guitare, et alors, autour de la table, les voix se taisent, tandis qu'il entonne une vieille romance napolitaine. Il chante, et sa voix est belle, sur la table la chandelle baisse, et les vacillements de la flamme font danser de grandes ombres contre la paroi. Les petites notes claires de la guitare tremblent doucement contre les parois de la chambre.
il n'y a plus eu que la chanson qui s'élevait et descendait et tournait toute seule. Et puis, les parois semblèrent avoir disparu, percées de partout par la musique, et on a été comme dans une grande chambre ouverte sur la nuit. Le bel air qui tremblait doux au milieu du carré de lumière et qui tremblait doux dans les cœurs et puis autour quatre murs de nuit. La jeune fille assise à ma droite tourna vers moi ses yeux brillants. « Ça, dit-elle, c'est de la religion. » Je me tournai vers elle et lui souris. C'était Virginie, une brunette, étudiante de piano, maigre et charmante. Elle avait un visage parfaitement régulier, intelligent et sensible, comme l'ont certaines statues grecques, et autant d'un jeune garçon que d'une femme. De beaux yeux pensifs, un petit nez droit aux narines palpitantes, une bouche mobile, spirituelle, voluptueuse. La musique s'est tue, le silence qui règne encore d'un accord tacite témoigne de ravissement général. Il se fait tard. Ceux qui doivent travailler, le lendemain se lèvent, nous remercions nos hôtes. Virginie habite dans les environs. Je la raccompagne. Comme je prends congé d'elle devant la porte de son appartement, elle me demande « Aimez-vous Bach ?» Avait-elle deviné que je l'aimais plus que tout autre ? De toute façon, elle proposa de me jouer du Bach un soir prochain. Et nous nous donnâmes rendez-vous. Elle me donna une poignée de main vigoureuse, comme un homme. Elle portait la tête droite. Un des jours suivants, en revenant du studio, j'eus un accident de motocyclette, qui fut une intéressante expérience. Je dépassais une voiture à quelques 60 km à l'heure quand, par suite d'une erreur de son conducteur, je fus projeté hors de la chaussée et plongé la tête la première, coiffé d'un béret seulement, contre un poteau télégraphique. Knockout immédiat, le crâne fêlé, inconscience. Wyler, qui roulait à quelques distances devant moi, sur sa moto, s'aperçut bientôt que je ne suivais plus et rebroussa chemin. Il me trouva étendu sur le bord de la route, dans une flaque de sang, entouré d'un groupe de curieux qui se demandaient si j'étais mort. Mais mon inconscience n'était pas continue ni complète. Je savais que j'étais couché sur le dos dans de l'herbe et que je sentais vaguement de l'herbe humide me toucher le cou. Par intervalles, à travers un épais nuage, j'entendais des sons, des voix indistinctes, les voix des gens, comme des sons d'orgue qui montaient, s'enflaient énormément et m'assourdissaient, puis diminuaient et s'éteignaient. Je savais que j'étais inconscient, mais que dans mon inconscience, je pensais encore. Je pensais encore. Je ne sentais pas mon corps, ne pouvais le bouger, j'étais donc sûr qu'il était arrivé un malheur. Mais quoi ? C'était comme s'il ne m'appartenait plus. Il dormait peut-être, ou il était mort, cependant que quelque chose en moi restait éveillé. Et ce quelque chose était extraordinairement heureux, serein. Ensuite, il n'y a pas de page 152. Ensuite, la première fois que mes yeux s'ouvrirent, ce fut un soir. Je vis surtout de moi une douce lumière bleuâtre, je vis autour de moi une douce lumière bleuâtre, des murs d'émail bleuâtre, un plafond mat et des coupoles lumineuses formant des halos circulaires. Des silhouettes féminines glissaient comme deux feux follets. Je me sentais encore en plein rêve, en plein dans l'absurde, dans le merveilleux. Le corps allongé dans une couche étroite, les bras emprisonnés dans une espèce de sac, la mémoire en faillite, comme quand on essaye de se rappeler un rêve qu'on vient de faire et déjà presque oublié. On se sent un besoin urgent de le préciser, mais ce besoin se heurte à une inhibition qui l'empêche désagréablement d'aboutir. Je regardais à droite et à gauche et vis d'autres couches qui habitaient d'autres formes humaines et alors réalisé où j'étais. Je sortis avec peine mes bras de dessous les draps et portai mes mains à mon front un peu douloureux. Elles rencontrèrent un épais bandeau qui m'entourait la tête. Une infirmière avait vu le geste et écarta doucement mes mains. « Il ne faut pas toucher à votre pansement. Cela va beaucoup mieux. Le docteur dit que vous êtes hors de danger. » La nurse avait un visage souriant et propre, pointillé de taches de rousseur. Soudain, je revis l'auto au moment où elle allait m'accrocher. Puis, c'était un gros trou noir, semé d'étranges sons et d'étranges lueurs. « Et vous savez, vous ne serez pas défiguré, » affirmait la nurse qui avait reparu. « On vous a recousu le cuir chevelu. Avez-vous soif ? Voici de la citronnade. » Elle allait et venait en chantonnant, distribuant remèdes et mots encourageants. « Le docteur Reynolds passera demain matin de bonne heure. Il m'a dit de ne pas vous fatiguer quand vous aurez repris connaissance. Si cela vous ennuie d'être dans une salle commune, demain on vous donnera une chambre. Il n'y a rien de disponible quand vous êtes arrivé. Il n'y avait rien de disponible quand vous êtes arrivé. » Non, cela ne m'ennuyait pas d'être dans une salle commune. Mais depuis combien de temps ? Vous êtes arrivé il y a 24 heures par ambulance. Besoin de rien ? Good night. Des veilleuses roses avaient remplacé les globes du plafond.
Je me sentais enveloppé d'un grand calme, sauf un léger lancinement aux tempes. Weiler fut très chic. Il vint à l'hôpital dans l'ambulance avec moi, inconscient, et s'occupa de tous les détails administratifs là et au studio. Mon salaire continua, je n'eus aucune dépense et fus traité comme un prince. Willie est encore un des meilleurs amis que je n'ai jamais eus. Ceci est écrit avant sa mort en 1981. Il y a un petit astérix. Il n'était certainement pas de ceux qui appelaient de leurs souhaits les plus fougueux. Mon apparition glorieuse d'étoile sur tous les écrans du monde. Mais un certain instinct protecteur l'animait à mon endroit et il avait bien trop bon cœur pour me déclarer crûment ce qu'il pensait de ma valeur histrionique. Il savait sans doute que je ne pourrais manquer de découvrir bientôt mon absence de talent dans ce domaine et que la seule manière de découvrir effectivement quoi que ce soit, c'est de le faire par soi-même. Aussi me laissait-il poursuivre gaiement mon chemin guidé par l'expectative et le temps devait lui donner mille fois raison. Il est devenu lui-même avec le temps un metteur en scène et un producteur de première grandeur. Il connaît la richesse, il connaît la gloire, mais il a toujours gardé envers ses anciens camarades, si petites ou insignifiantes qu'ils soient, la plus parfaite simplicité et la plus radieuse bonté. C'est le moins snob de tous les hommes supérieurs que j'ai rencontrés. Le temps eut bientôt fait se séparer nos chemins et de démontrer combien différents nous étions l'un de l'autre, mais je lui serai à toujours reconnaissant de m'avoir avec discrétion et discernement aidé à trouver mon chemin à Hollywood et d'être venu immédiatement et tout entier à mon secours lors de mon accident de motocyclette. Il m'a probablement ainsi deux fois sauvé la vie. Quant à mes autres amis, je n'en avais pas beaucoup, vivant toujours un peu en marge de la société, mais ceux que j'avais étaient de bons amis et ils vinrent aussi me voir. Rien n'est plus touchant que de voir comment, quand le danger ou dans la peine, on est entouré d'amitié. Car il n'y a rien, je pense, comme le danger ou la douleur, la mort peut-être, pour faire sortir ce qu'il y a de bon en nous et autour de nous. Une autre surprise charmante fut de revoir arriver Virginie. Elle voulait garder notre rendez-vous, dit-elle. Elle s'asseyait à côté de mon lit. Elle restait assise là quelque temps, calme et douce, avec son cou mince et son beau port de tête. Elle était simple et gentille et ne m'intimidait pas comme ces dames trop riches et trop élégantes du studio. Nous nous regardions en souriant, nous nous regardions sans beaucoup parler, comme font les enfants, et nous nous trouvions bien de ne pas parler continuellement. Oh, le plaisir que j'éprouvais de sa compagnie. Et quand elle était partie, je continuais de la voir. Sa belle image restait avec moi. Je restais meublé de cette image, comme une idole. Peu m'importait que cette idole sût que je l'aimais. Il me suffisait de la regarder, et je le regardais, m'en délectait sans la désirer. J'étais dans cet état délicieux de la convalescence où l'on se sent miraculeusement perméable aux impressions les plus douces. Comme quand on était enfant après une de ces délicieuses maladies de l'enfance où l'on est encore au lit, choyé, dispensé de l'école et de tout devoir, en sûreté dans une chambre douillette, tandis que dehors il neige, il vente. Le monde est câlin, musical, le cœur et l'esprit chantent. Au bout d'une semaine, grâce aux bons soins du Dr. Reynolds et de la vice-médicatrix Naturé, je pus quitter l'hôpital. Cecil Reynolds était non seulement un grand chirurgien, neurochirurgien, mais la gentillesse même. Il soigna longtemps un de mes amis et l'opéra même sans jamais lui envoyer de notes, parce que cet ami était pauvre. Chapitre 11. Extrait de cahier. Une petite digression formelle. On a des citations de son journal, je pense. 1922, soirée avec Virginie. Elle m'a déclaré tout de suite ne pas désirer sortir. Joue du piano comme un ange, un messager d'un autre monde, habite avec sa mère une veuve riche, puis de pétrole, je crois. Celle-ci sortit pour la soirée. Divine absence. Les jeunes filles savent instinctivement ce qu'elles gagnent, ne pas trop se montrer avec leur mère. Bel intérieur, meuble dans un goût impeccable, mais douillet tout de même. Des grands fauteuils profonds, des tapis épais et moelleux où les pieds s'enfoncent. Un luxe auquel je ne suis pas habitué, Virginie délicieuse. « Oh, c'est très simple, dit-elle, le typique home American. Rarement rencontrer une fille ayant autant de fraîcheur, d'équilibre, de joie intérieure. Mise très simplement, presque avec négligence. Robe de coton léger qu'elle porte à même la peau, ni bas, ni soutien-gorge. Je me demande si ce n'est pas un peu pour me provoquer. Mais non, pas l'ombre d'une coquetterie. Elle est si jolie, confiante en elle-même et confiante en la vie. Certainement jeune fille bien élevée,
mais assez réservé, mais ravissant de naturel et de simplicité. 19 ans, visage ouvert, heureux, prompt à l'enthousiasme. La peau sombre, d'un rose irréel, lisse et appétissante comme celle d'un fruit. Fait l'effet d'être aussi propre au moral qu'au physique. Évidemment, contente de me plaire, mais je me demande pourquoi. Je me promets de ne pas essayer de la séduire. 1922. Depuis que j'ai une place fixe, je reçois un nombre considérable de lettres essayant de me vendre quelque chose. Celle-ci, par exemple, de Forest Lawn Memorial Park, un cimetière. Elle a pour en tête « A nice place to rest among flowers and sunshine ». Un bel endroit de repos au soleil et parmi les fleurs. Cher monsieur, permettez-nous de vous souhaiter la plus grande durée possible de votre état de santé actuel. Cependant, nous osons espérer que vous êtes suffisamment réaliste pour méditer parfois sur l'infaillible conclusion de votre existence en ce qui concerne le sort de votre enveloppe terrestre. Ne vous semble-t-il pas naturel qu'un homme dont tous les efforts tendent à obtenir dans la vie un maximum de bien-être se préoccupe également de sa dernière habitation ? Par conséquent, pour votre prochaine excursion, choisissez notre parc comme but. Vous admirez nos magnifiques parterres fleuris et rendez-vous compte de la fraîcheur que vos parents et amis pourront goûter sous ces grands arbres lors de leur visite dominicale quand vous ne serez plus. Achetez votre parcelle de terrain maintenant. Nous accordons toutes les facilités désirables quant au paiement. Veuillez croire, monsieur, etc., etc., etc. 1922. La beauté ici surgit de tous les coins, la beauté féminine. C'est non seulement son abondance qui étonne, mais sa perfection. Que de belles filles, et dont pas une sur 10 000 ne deviendra star. Les plus fortunées, généralement les mieux faites, sont les starlettes, qui sont un peu plus que des figurantes, mais encore loin d'être des stars. On les rencontre partout, dans les rues et en auto ou à pied, dans les bars, sur les plages ensoleillées, à la sortie des cinémas, à un thé ou à un cocktail, ou faisant leur marché, seul ou à deux, ou chaperonnés par leur maman ou par leur tante âgée. Les starlettes, qui sont à la fois la beauté et la laideur de Hollywood, sa jeune, son éclatante, son incontestable beauté, mais aussi sa vénalité, sa veulerie. Car la plupart de ces filles sont prêtes à se vendre ou à se louer pour n'importe quoi, un petit rôle à logis, des vacances en compagnie propice, ou pour faire partie d'un groupe à la mode, ou même, au besoin, pour un dîner. Oh, rafraîchissante Virginie, si différente de tout cela, plus jolie que bien des starlettes et dont la seule passion semble être la musique. Elle prétend n'aimer pas le luxe, pas le monde, n'aller presque jamais au cinéma, est-ce vrai? Il doit y avoir du vrai, car tournée comme elle est, si elle aimait le monde, elle serait dans le monde et dans le cinéma, ou dans le cinéma. En sa compagnie, comme avec Old Peter, je me sens merveilleusement à l'aise et libre à l'endroit de tout cela, moi aussi. La réussite, l'argent, le confort, l'automobile, la lutte sociale, par quoi la plupart des gens se dégradent. Je ne toucherai pas à Virginie, elle personnifie la candeur. 1922, un stunt qui a mal tourné, ou presque. À Fort Bragg, Californie du Nord, forêt de séquoia géant, rive sauvage du Pacifique. Je double pour Roy Stewart, qui joue un héroïque bûcheron. Comme font les bûcherons ici, je grimpe aux arbres pour y travailler, avec des crampons attachés aux chevilles et aux poignets. Dans ce stunt, où je crus ma fin venue, il est poursuivi par des gredins jusqu'au bout d'un débarcadère qui s'avance dans la mer. Pour leur échapper, je grimpe avec mes crampons en haut d'un mât qui se trouve là. Eux, non munis de crampons, ne peuvent m'y suivre. Et décide de scier le mât à sa base. Mais son sommet, heureusement, est relié à un promontoire voisin par un long câble qui me permet de continuer ma fuite. Arrivé au sommet du mât, je m'accroche au câble avec des crampons fixés à mes poignets et, ainsi suspendu, me mets à glisser à grande vitesse vers la terre ferme. C'est là que ça a cloché. En préparation du stunt, nous avions fait un essai, la veille, avec un sac de sable pendu au câble à ma place, du même poids que moi. Et il y avait fort bien glissé jusqu'au bout, jusqu'au but. Mais il y avait du brouillard lors de l'essai et le câble était lisse, comme huilé par la brume. Quand vint mon tour le lendemain, il faisait grand beau et le câble était sec et moins glissant. Ma descente commença bien, je glissais vite et joyeux vers la terre, mais à mi-chemin, ralentissement, puis arrêt complet. Arrêt buffet, je reste là, pendu par les mains, hors d'atteinte de tout secours, au-dessus de la mer hérissée de rochers. Il faut bouger ou finir ma vie là. La pente du câble est presque nulle à cet endroit et les crampons glissent mal. Mais dans des pieds et suspendu sous mon câble comme un paresseux sous sa branche, je me remets à avancer vers la rive qui est à quelques 50 mètres de distance. Au bout de 10 minutes, j'étais épuisé. J'en avais parcouru la moitié peut-être, mais mes pieds pendaient maintenant et malgré tous mes efforts, je ne pouvais plus les relever jusqu'au câble.
Je balançais comme un crucifié là-haut, entre la mer rocailleuse et les cieux. L'avance devenait de plus en plus lente. On m'exhortait du rivage, là où une petite foule était assemblée, mais on ne pouvait rien d'autre pour moi. Les minutes passent, qui paraissent des heures. C'est un bel après-midi particulièrement chaud et silencieux. La mer, au-dessous de moi, clapote. Je serre les dents. Les bras, qui me semblaient prêts à se désarticuler, ne bougent presque plus. Je m'attends à mourir, mais mon esprit reste clair et j'ai tout le temps de réfléchir à l'absurdité de ma situation. Je me jure de quitter le cinéma si je sors de là vivant. Pendant encore un quart d'heure, d'un cœur haletant et plein de rage, je me hisse centimètre par centimètre vers la terre, interminablement. J'arrive enfin. On me décroche. Je reste écroulé par terre un long moment. Le directeur ne me félicite pas. Il n'est pas content. C'est un stunt raté et il faudra la refaire. Je n'avais plus aucune force. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Mais, les yeux fermés, je me tournais face au soleil, jamais autant vénéré, et je pleurais de joie. Quelques jours plus tard, j'ai refait le stunt, sans accroc cette fois, avec des crampons bien graissés. Tout a bien glissé jusqu'au bout, mais je reste ferme dans ma résolution de ne pas continuer ce métier qui ne mène nulle part. À Hollywood, j'invitais souvent Virginie à dîner chez moi, où j'avais une kitchenette. C'était accompagné de quelques illégales spiritueux et de tendresse et de tendres baisers. Mais notre amour, comme elle, demeure vierge. J'éprouvais avec elle l'émerveillement d'être au monde. Nous sortions dans la nuit après avoir mangé. Il faisait bon, la nuit était douce et sentait bon. Il fait presque toujours beau là-bas. Et il y avait du contentement dans les cœurs. Je la raccompagnais lentement jusqu'à chez elle. Nous ne parlions pas tout le temps quand nous étions ensemble. J'ai surtout été plutôt silencieux. Nous avions souvent plaisir à rester tranquilles, simplement heureux d'être ensemble. Quelquefois, comme avant, j'allais chez elle et elle me jouait du piano. Et en l'écoutant jouer, Bach spécialement, qui donne la respiration régulière, j'avais des moments de joie ineffable. Alors, je sentais comme elle que l'expérience de la beauté est un plus sûr chemin pour nous approcher du secret de la nature que tout ce que peut nous apprendre la science et la philosophie. Au studio, le destin qui m'attendait cachait encore sa face. J'espérais toujours me révéler un acteur, mais on était de moins en moins convaincus. Rien ni personne jusqu'ici ne m'avait encouragé à le croire. Il y avait pourtant Bob Hill, ce directeur amical qui me donnait de temps en temps un petit rôle dans un de ses films. C'était des rôles très secondaires, reçus en ma qualité de casse-cou, et où je continuais à me battre, à sauter des trains en marche, à me jeter dans le vide ou dans les flammes, non plus comme double, mais cette fois, mais sous ma propre, non plus comme double cette fois, mais sous ma propre identité. J'avais aussi parfois quelques scènes à jouer plus près de la caméra, où j'essayais mon jeu. Bob Hill avait l'air de m'y trouver passable, quoiqu'il ne m'en dit pas grand-chose. Mais moi, quand j'allais me voir dans la salle de projection où l'on montre les épreuves du film en tournage, je m'y trouvais plutôt moche. Toutefois, ce n'était pas encore là ma grande chance. Elle devait venir un peu plus tard. Ce fut vers la fin de 1922, il y avait un an et demi que j'étais en Californie. On se risque enfin à me confier un vrai rôle. C'était dans un film dont j'ai oublié le titre et les principaux acteurs dirigés par Jack Conway, un des plus grands metteurs en scène de l'époque. C'était en vérité un très petit rôle. J'étais le tuteur de deux enfants dans une famille anglaise et n'avais rien de bien compliqué à faire, seulement à être simple et naturel. Pendant une quinzaine de jours, je fus si simple et naturel devant la caméra que rien n'arriva. J'essayais de mettre toute mon âme dans mes yeux, bougeant très peu, le visage comme le faisaient les grands, Chaplin, William Hart. Le résultat fut qu'à l'écran, on ne vit à peu près qu'un visage immobile et muet. Mon jeu était si simple qu'il n'exprimait presque rien. Je n'étais vraiment pas un comédien. Ce rôle avait trop peu d'importance dans le film pour qu'on se souciât beaucoup de mon jeu. Mais pour moi, c'était l'épreuve décisive, dont tout mon avenir allait dépendre. En me voyant, soir après soir, dans la salle de projection révélatrice, l'évidence se faisait en moi sûrement et douloureusement. Jouer n'était pas mon fort. Cette impression fut confirmée au-delà de tout doute possible par les deux meilleurs juges possibles, Jack Conway et William Wyler. Le film terminé, j'allais voir M. Conway dans son bureau et le prier de me donner son opinion sur mon travail. Pardon monsieur, puis-je vous parler un instant? Je vous écoute, dit-il. Je travaille dans ce studio depuis environ une année. Je voudrais vous demander de me dire franchement si vous m'engagez à continuer.
Vous ne savez donc pas si vous avez du talent ? Tous mes camarades acteurs croient en avoir, mais je m'aperçois parfois qu'ils se trompent. Je vous serai reconnaissant de me dire la vérité. » Il haussa les épaules. « Vous ne manquez pas de sensibilité, mais vous n'avez ni connaissance ni expérience du métier d'acteur. Votre jeu n'existe pas et vous n'êtes probablement pas doué. Vous n'êtes en tout cas pas un acteur né. » Très bien. Vous ne voyez donc pour moi aucun avenir dans le cinéma. Avec un bon enseignement et beaucoup de persévérance, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas acquérir un certain art, une technique moyenne, et devenir un acteur honorable. Mais si j'étais à votre place, j'essaierais de faire autre chose. Vous ne serez jamais un grand acteur. Je réussis à lui répondre avec le plus grand calme. Je vous suis bien reconnaissant d'avoir pris la peine de me renseigner. J'allais partir quand il m'arrêta et posa la main sur mon épaule. Je dois vous paraître dur, mais si je l'ai été, c'est pour votre bien. J'en ai trop connu qui n'ont découvert leur médiocrité que trop tard. J'essayais de sourire en lui serrant la main et gagner la porte. Encore un petit chapitre ? Goodbye, Hollywood ! Voilà, mon compte était réglé. Je savais enfin à comment tenir. C'était la chute du songe de la réalité, à la réalité. Et la réalité, c'était l'échec. Échec complet de ma course au succès. Échec, failure, fourvoiement, fêlure. Le fond du corridor, la perte de mes plus chères illusions. Le fond du corridor, c'était marqué le fond du puits, mais il a tracé puits, puis il a mis corridor. Je pense qu'il aurait dû laisser puits. J'étais venu à Hollywood non seulement pour essayer d'y atteindre l'indépendance financière, mais aussi parce que le cinéma, et en particulier Douglas Fairbanks, qui incarnait à mes yeux la magie du cinéma américain, avait allumé en moi une flamme sacrée. La jeunesse veut des exemples. Douglas m'avait conquis par sa verve, sa fougue, son inaltérable gaieté, et j'avais eu envie de vivre, de faire comme lui, de faire triompher la vie, la beauté, la bondissante fraîcheur de la vie aux yeux de tous. Et voilà, j'avais fait un lamentable fiasco de ma vie. Ce fut une leçon dont je ne compris le sens que plus tard. Cependant, j'avais toujours ma place, le pain assuré, et rien ne m'aurait empêché de la garder, d'essayer d'apprendre le métier et de devenir cet acteur honorable dont M. Conway m'avait parlé. Mais l'idée ne m'attirait pas du tout. On en voit trop souvent de ces pauvres acteurs honorables et peu doués qui vieillissent, jouant de petits rôles dans des films secondaires, et en eux, je voyais l'image dégradée de ce que je serais un jour si je restais là. Après des années d'un travail morne et sordide, de moins en moins en demande, ils sont pour finir complètement mis de côté, comme de vieux jetons poussiéreux. À vrai dire, au-delà de mes confitures, j'éprouvais un considérable soulagement à ne plus devoir être acteur. J'abandonnais toute idée d'emprunt et de prétention et jetais à de nouveau un regard d'enfant sur le monde. Je continuais à faire régulièrement mon travail, mais je le faisais aussi vite que possible pour m'en débarrasser et pouvoir ensuite redevenir moi-même. Je lisais beaucoup, empruntais des livres à la bibliothèque public et lisait les Appenzell, le Vendetta et Elie Menchikoff. Je voulais faire le tour de la pensée humaine, moderne et passée, des arts, des sciences et des religions. Je lisais et relisais certains poèmes des Leaves of Grass de Whitman. Ils devenaient pour moi des espèces d'incantations qui incitaient mon âme à flâner et à répondre aux appels de son destin secret. Oh, comme je savourais mes loisirs! J'adorais l'odeur douce de ces collines sauvages au-dessus d'Hollywood, et le soir, j'allais m'y promener en rêvant. Je me laissais aller, n'étant plus que docile et souple, plié sur moi-même comme un ruisseau se plie à son lit. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais voyais que secrètement, depuis 2 ans, j'avais regretté ma vie d'étudiant. Je voyais que je m'étais senti perdu dans le monde caquetant, jaloux et frivole du cinéma, perdu comme un chien dans une salle de bal. Et un immense besoin de fuir, de recommencer m'envahissait. Le moi de surface ayant pris une bonne pile, ce qui était dessous reprenait le dessus. Après quelques semaines d'hésitation et de réflexion, mon chemin commença à se préciser. La consistance du réel, la nature intime de la matière, avait de tout temps captivé mon attention. Mais il avait été amplement démontré en Suisse que ma prétentieuse tentative de faire de la chimie avait été tout à fait contraire à mes goûts véritables. Ce qui m'habitait vraiment, et je le découvrais chaque jour davantage, était une intense curiosité de tout ce qui concerne la vie, la matière vivante. J'avais pensé à une douzaine de professions, mais pour finir, ce fut la médecine qui l'emporta, surtout à cause de la liberté personnelle qu'elle semblait laisser. Je soupirais toujours après l'indépendance qui me permettrait un jour de faire exactement ce que je voudrais. Et ce que je voulais faire avant tout, c'était étudier la biologie.
Je dévorais tout ce que je pouvais trouver touchant la physiologie, les échanges d'énergie dans les tissus, la fonction de l'appareil respiratoire, le système nerveux, la circulation du sang, la contraction des muscles, l'élaboration de la pensée, sans parler de la maladie. Non pas parce qu'elle nous rapproche de la mort, mais parce qu'elle nous diminue, nous met à la merci des autres, sous leur dépendance. Et je voulais la comprendre et la vaincre pour m'en débarrasser et en débarrasser la Terre. Cette décision prise, je me sentis bien. J'en fis part à Virginie et à mes autres amis qui tous m'en félicitèrent. Il ne restait aucun obstacle matériel à mon départ et je donnai ma démission à l'Universal où personne non plus n'essaya de me retenir. J'étais libre. Les meilleures écoles de médecine américaine étaient alors dans l'Est et je choisis New York parce que je me rappelais m'y être senti libre et anonyme et afin d'être plus près de l'Europe sans toutefois y retourner. Rentrer en Suisse eût été admettre une défaite et je ne me sentais pas vaincu par les États-Unis. Au contraire, je m'y sentais chez moi. Les grands espaces, la vitalité de ce pays m'allait et m'allait et me vont comme un vêtement favori, faisant comme partie de moi-même. J'aime ce peuple remuant, actif, débordant d'énergie, cette tumultueuse masse d'humanité sujette à tant d'intérêts contraires, si mesquine et si généreuse, si assoiffée de bien, si dure, si confiante en apparence, et pourtant si hésitante dans son fort intérieur, si humaine. Avril 1923. Dernier rendez-vous avec Virginie. Nous nous sommes rencontrés dans le petit bois d'eucalyptus, au-dessus de chez elle, qui est aussi un parc public, très peu fréquenté. Je l'ai attendu longtemps dans le silence du soir et l'air qui sentait bon. J'étais triste. Il regardait l'allée, par où elle allait venir, mais je ne voyais rien. Je me répétais seulement, tout ceci va finir. Demain, je serai loin. Et ce sera fini. Il y eut un bruit de pas sur le gravier et elle avait été là, comme elle était jolie. Sous la peau lisse de ses joues, un peu de rouge était venu, tandis qu'elle respirait plus vite, de s'être dépêchée, et sa bouche était entrouverte. Mais il n'y avait aucune joie en nous. Je l'ai prise par la main et nous nous sommes assis sur le banc. Et je l'ai assise tout contre moi. Et je l'ai attirée contre moi, appuyant sa tête contre mon épaule. Elle se laissait faire et ne semblait rien voir. Elle regardait devant elle et je vis que ses yeux étaient pleins de larmes, tandis qu'elle arrangeait sa jupe sur ses jambes. J'ai pris sa main et je l'ai serrée dans la mienne. Je l'ai tenue dans la mienne un long moment, mais elle ne serrait pas la mienne. Puis, comme je l'avais lâchée, je vis que cette main retombait à son côté, toute molle. Je lui ai dit « Virginia ». Elle ne semblait pas entendre. « Virginie, me veux-tu ? » Elle fit oui de la tête. « Embrasse-moi ! » Elle ne bougea pas. Ce fut moi qui l'embrassai. Ses joues étaient chaudes et salées, et je les couvris de baisers. Puis j'éloignai mon visage, car je m'étais mise à pleurer aussi. Alors elle se tourna soudain. Et d'un mouvement se pencha vers moi. Et comme je lui ouvrais mes bras, elle se blottit dedans. Sur quoi il n'y eut plus que nous au monde, tandis que je la tenais serrée contre moi. Et j'eus envie de tout abandonner pour elle, malgré les hommes et les choses. Je lui ai dit, « Virginia, veux-tu que je reste ?» Mais elle, plus forte que moi, a répondu, « Non, mon amour, tu dois partir. Tu as décidé de partir, et si tu ne fais pas, tu le regretteras. Et pourquoi est-ce que tu ne partirais pas avec moi ? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas ma femme ?» Un sourire illumina son visage, mais elle répondit tristement, « Pas maintenant, Alex. Tu as autre chose à faire d'abord. Après, on verra. » Je vis bien qu'elle avait raison. Et aussitôt, la réalité, comme une autre force, entra en moi et je fus fort de nouveau. Et nous fûmes de nouveau séparés, assis l'un à côté de l'autre et seuls. Un grand silence nous entourait et nous n'avons plus beaucoup parlé. Devant nous, en contrebas, à travers les feuilles, on voyait un peu des lumières de la ville. Je regardais cela sans le voir et pensais, demain, à 7 heures, je serai loin. C'était comme un gros trou devant moi et il était aussi dans mon cœur. Enfin, elle a dit, c'est l'heure. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte. Et là, elle m'a tendu ses lèvres et je l'ai embrassée encore une fois. Mais nous sommes vite séparés pour couper court aux larmes qui revenaient. « Au revoir, Virginie. Au revoir, dit-elle, levant une dernière fois vers moi son visage, doux et triste, comme celui d'un chien qu'on va quitter. Et brusquement, elle se tourna et ouvrit la porte. »
Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud, hein? Ça me paraît pas mal. On a donc quitté Hollywood, où pendant 2 ans et demi, 3 ans presque, de 1920 à 1923, Alex Manuel, fils de la confiserie, boulangerie, épicerie coloniale, grossiste en glace Manuel à Lausanne, place Saint-François, était parti pour tenter une carrière d'acteur. Lucidement, il l'a abandonné. Et bah, lors de la prochaine lecture, qui sera je ne sais quand, cette année ou en saison 3, on retrouvera Alex Manuel à New York, au Cornell Medical. Puis on le retrouva durant la Deuxième Guerre mondiale engagé dans l'armée anglaise. Puis on terminera avec lui ce petit apuscrit, Hollywood aller-retour, d'Alexandre Manuel, ci-devant oncle de Luc Chessey, lausannois, qui est allé à Hollywood. On aura appris quand même que Willy Wyler était suisse, qu'il était très sympathique et qu'il a beaucoup aidé son camarade Manuel, allant, comme on l'a vu la semaine dernière lors de la lecture, jusqu'à préfacer ce tapuscrit déposé aujourd'hui à la Cinémathèque suisse et qui nous a été transmis par d'aimables mains gantées de blanc qui l'ont retrouvé dans une caisse marquée très précieux, caisse donnée par Luc Chessey avec ses photos de plateau, aussi devant directeur actuel de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire. Bah, d'ici là, allez au cinéma, si possible, allez voir Top Gun ou autre chose, allez voir Rien à foutre ou allez voir Les Intranquilles de Joachim Lafosse. On se retrouve la semaine prochaine donc, en compagnie de Jean-Michel Cruchet. Ça sera une émission un peu historique. Jean-Michel a été de tous les combats depuis les années 80 dans la mise en place du système de financement du cinéma suisse, de l'invention de Succès Cinéma en passant par le pacte de l'audiovisuel qui régit les relations entre les professionnels de l'audiovisuel et la Société Suisse de Radiodiffusion SSR. Des aides régionales avec la fondation du Fonds Regio. Jean-Michel Cruchet a été président de la Fondation Vaudoise pour le cinéma quand elle existait. Il a géré et inventé le Fonds Regio, puis mis en place, poncé et thématisé le Cinéforum tel qu'il était censé exister et qu'il n'a pas complètement existé, mais qu'il pourra exister. Nous aurons largement l'occasion d'en parler. Celles et ceux qui nous suivront aujourd'hui donc en différé parce qu'on a eu quelques problèmes techniques en début d'émission, mais c'est pas grave. Merci à Sebastiano en direct de Cannes, merci à Olivier en direct de Zurich, merci à Arnaud pour la régie, merci à Marion qui a fait les envois de newsletters et qui fait tout le back-office, ainsi que Juliette et bien sûr coach Mélanie qui est en charge de toute la production du matériel qui sont utilisés sur les réseaux sociaux, diverses facéties, dont je vous passe les détails. Rendez-vous mercredi prochain à 20h avec, on l'espère, une technique parfaite et une émission qui retrouvera à peu près ses 4 ou 5 heures en compagnie de Jean-Michel Cruchet. Jean-Michel Cruchet dit La Cruche, je crois que c'est son surnom, chez les trotskistes, parce qu'ils ont tous été, à un moment donné, les gens de cette génération trotskistes et d'extrême-gauche lausannois. On verra, on en parlera probablement avec lui, mais c'est vrai que c'est assez... quelque part, c'est assez piquant de voir cette génération. D'ailleurs, tout le mois de juin, on aura un peu la génération des grands anciens. Il n'y a pas tellement de grandes anciennes, parce qu'il y avait très peu de femmes. Il y a Madeleine Franjala, il y avait Jacqueline Veuve, qui maintenant est décédée. Madeleine Franjala, qui était script sur pas mal de films, puis après, qui était responsable de ce qu'on appelait, je pense, pas encore l'aide sélective, mais qui correspondait à l'aide sélective au début, aux années 80, je pense. Mais à part Madeleine Franjala et Jacqueline Veuve, la plupart de celles et ceux qui ont fait le cinéma roman dans les années 80 et suivantes, c'était des ceux. Donc, dans les anciens, c'est surtout des hommes. On aura donc Jean-Michel, mais on aura aussi, tout à la fin du mois de juin, Claude Muret, qui lui aussi est du cinéma suisse depuis très longtemps. Donc, vous voyez souvent le nom dans le générique des documentaires ou dans le générique des fictions, comme Edo, Scénario, ou Script Doctor, ou Intervenant. On parlera un peu de son métier, un peu mystérieux, qui est un métier un peu d'accoucheur de texte, et surtout
dramaturge, si on peut dire, dans beaucoup des documentaires romans parmi les plus importants de ces 20 ou 30 dernières années, qui lui aussi a une sorte de mémoire du cinéma roman. Donc, mois de juin, plutôt mémoriel, avec une petite excursion vers nos amis les figurants, deux des figurants historiques. On retrouvera un tout petit peu Alex Manuel avec nos deux figurants. Et puis, si tout va bien, le 8, nous aurons une émission délocalisée à Montreux, car le 8 juin, il y a à Montreux une soirée de soutien pour le maintien ouvert du cinéma Hollywood de Montreux, organisé par Cinérive. Sur le topo, aujourd'hui, les salles de cinéma peuvent difficilement se passer d'une interaction publique-privée pour survivre dans les villes moyennes. C'est vrai à Yverdon, c'est vrai à Morges, c'est vrai à Montreux. Et donc, certains exploitants essayent de mettre en place des collaborations avec les pouvoirs publics, ce qui ne va pas toujours aisément d'une part et d'autre. Et on aura l'occasion d'en discuter. Donc, l'idée, c'est qu'on aille à Montreux ce soir-là, qui est une soirée de soutien, et qu'on profite pour inviter différentes personnes à partager un peu leur point de vue sur où vont les infrastructures de cinéma dans les villes moyennes. Est-ce qu'elles sont appelées à disparaître et à désertifier un peu plus culturellement des villes de la taille justement de Morges, de Nyon, d'Yverdon, de Bulle, de Châtel-Saint-Denis, de Baie, de Aigle, de Martigny? Est-ce que bientôt toutes ces villes seront sans cinéma, avec des cinémas uniquement en périphérie ou des grandes salles dans les grandes villes? Est-ce qu'elles peuvent survivre, ces salles, sans intervention des pouvoirs publics? Est-ce qu'il faut repenser le modèle d'un modèle commercial à un modèle associatif et un modèle plus participatif? Ou est-ce qu'il faut inventer de nouveaux modèles? Ça sera un peu le sujet de cette soirée-là, avec ce qu'essaye de mettre en place Cinérive, qui est un groupe qui a donc des cinémas dans toute la région du Chablais, qui a le multiplex Cosmopolis d'Aigle, qui a les cinémas de Vevey, le cinéma de Montet, le cinéma de la Sarra, le cinéma d'Orbe, et donc actuellement encore les deux cinémas de Montreux qui ne sont plus rentables et qui sont donc en danger. Cinérive avait pour la même raison abandonné le City Club à l'époque, faute de rentabilité. City Club qui est devenu le lieu culturel à succès que l'on connaît, avec une programmation de cinéma assez pointue et très intéressante, mais aussi des concerts, une programmation jeune public, des concerts jeune public, énormément de médiation culturelle et d'activités, comme on a l'occasion régulièrement de le savoir avec Laura Grandjean, qui est une de nos interlocutrices une fois par mois et qui nous présente le programme du City Club. Si tout va bien, on aura Laura la semaine prochaine pour nous parler du dernier mois d'ouverture, le mois de juin, avec encore de nombreuses séances avec réalisatrices et réalisateurs ou concerts et autres activités qu'on vous recommande chaudement. C'était Make TV Fucking Great Again, lecture du tapuscrit de Alex Manuel. Et nous vous souhaitons une bonne soirée, alors que dehors, la nuit lausannoise s'échauffe et qu'on entend des bruits de glace, de verre brisé. Nous sommes dans le quartier du Flon, centre de la vie culturelle. Comme dit mon ami Pascal Auberçon, qu'on peut revoir dans la dernière émission de la saison 1 et qui a son local tout près du Flon. Le Flon, c'est pas mal, mais le matin, il y a quand même beaucoup de caca et de pipi par terre parce que les gens se comportent mal et ils font la fête d'une manière un peu bizarre, avec beaucoup de produits prohibés, beaucoup d'alcool, et l'humanité réduite à cela, c'est assez moche. D'ici là, passez une bonne nuit, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour de nouvelles aventures. It may get bigger, may get a little bigger, may not get bigger at all, we'll see what happens, but regardless of what happens, we're totally prepared.